Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct pour vivre la troisième manche du championnat de SCTC by Pitlane Motorsport. Nous sommes ce soir en direct du circuit de Zandvoort aux Pays-Bas pour vivre la troisième manche qui n'est pas la course évidemment de Macao qui n'aura pas lieu ou en tout cas qui est en suspens. Voilà à quoi ressemblerait le calendrier actuel avec un changement donc de Zandvoort déplacé en troisième partie de championnat. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints sur le chat, ravi de vous retrouver pour ce championnat. C'est le mois de septembre, c'est la reprise de bon nombre de championnats et de sim racing. On retrouvera la FFSA un peu plus tard cette saison. En attendant, eh bien, place à Race Room et à ce championnat de tourisme historique. Merci d'avoir répondu très nombreux à notre appel. Alors, en début de cette diffusion, beaucoup de choses et d'habitudes à reprendre. On va tout de suite basculer sur la séance de qualification. Mais avant, un petit point sur le classement avec vous. Le voyez, un pilote belge aux commandes des opérations, mais uniquement pour un petit point, c'est McCain. Devant un certain Akrapovic, les Mercedes 190E, pour l'instant, comme on dit, font le café. Ce sont les voitures les plus véloces de ce championnat. Francky est pour l'instant troisième, notre ami Corse, hein, on la salue avec ce petit corps devant son pseudomine. Guy Mauve, que vous retrouvez, qui est en fait Guigui Lally, que vous connaissez bien, notre ami est québécois, devant donc le brass de la Game Motorsport, Yak, Marcelli, Veneno, Larry et Binamé. Tous ces garçons-là sont en piste actuellement, puisque vous allez le découvrir, la séance qualificative vient de débuter. Vous le voyez, la pit lane est ouverte, il reste non pas 19 minutes mais bien 14. Pourquoi? Eh bien parce que la séance de qualification se termine à 5 minutes du terme de celle-ci pour permettre au pilote Pohlmann de passer en interview. Nous sommes sur la piste de Zandvoort, évidemment aux Pays-Bas. Vous allez découvrir, voici cette piste avec en temps réel la map avec le numéro des voitures, des pilotes qui sont actuellement en piste. On va aller jeter un petit coup d'œil du côté de tout le monde dans quelques instants. Voici l'une des voitures que l'on devra suivre ce soir. Il s'agit de Guigui, notre ami québécois qui évolue sur une Mercedes 190E. On espère que vous entendez également bien le moteur. Je ne voudrais pas vous faire mal aux oreilles. J'espère que vous entendez bien derrière le moteur. Si pas, eh bien, on pourra corriger tout cela. N'hésitez pas d'ailleurs sur le chat à nous faire un petit feedback au niveau du bruit. Et s'il faut, on fera quelques petits ajustements avant la course et la prochaine séance. Les premiers pilotes sont en train de ressortir des stands. Ils font leur tour de sortie justement avant d'accéder pour les premiers au transpondeur. Et le premier, ce sera cette voiture, ce sera Marcelli, la Volvo numéro 18, qui entame son tour rapide. On n'entend pas beaucoup les moteurs, je pense. C'est bien le circuit de Zandvoort. Bonsoir à toutes celles et ceux qui sont sur le chat. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Pas de pluie hein, dans Race Room, donc ça on est sûr. Même s'il ne fait pas très chaud du côté de Zandvoort. Le son est nickel. Eh bien, c'est formidable. Si en plus vous entendez un petit peu les voitures, c'est parfait. On va continuer avec ce classement. Pour l'instant, pas de tour inscrit dans ce quart d'heure de qualification. On rappelle également le fonctionnement des séances avec donc 15 minutes de qualification, une première course d'une durée de 30 minutes, ensuite la grille inversée pour une deuxième course de 30 minutes concernant les 8 premiers selon le résultat de la première course. J'espère que vous suivez bien. En tout cas, de notre côté, heureusement, c'est très clair. On salue ce soir la grande première d'Andy Wheeler, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Le Coin Simulation, en tant que maître de cérémonie avec Dimi. Et bien oui, PLM Docteur, alias la direction de course, et ce soir en déplacement, puisque le garçon, tout simplement, allait suivre les exploits de BMW au VLN en Allemagne, au Nürburgring, avec un podium, je pense, si mon fil d'actualité Facebook ne m'a pas fait défaut. Voilà, la voiture numéro 18 de Marcelli qui est dans le deuxième secteur avec cette chicane, un des points importants de cette piste de Zandvoort puisqu'il pourrait y avoir des dépassements. La direction de course fera donc pour la première fois acte de présence post-course, c'est-à-dire que si réclamation il y a de la part d'un pilote, ce sera tout simplement après-course que sera investiguer la situation. Le premier chrono qui va tomber, ce sera donc pour Marcelli, vous le voyez, le premier en 1:42.522 derrière lui, mais devant lui finalement, ce sera Guigui, le Québécois, que l'on voit ici avoir terminé son tour. Yak vient de passer troisième, quatrième, ce sera Jefferson, cinquième,
va-t-il se classer un petit peu mieux? Et oui, le Brass 3ème avec la BMW Fina qui a changé de livrée, on se rappelle. Chrono terminé 6ème place en 1.45 pour Gros Filou. Et la première Audi et 7ème, c'est celle de Toto, mais pas encore de Chrono puisque c'est Zoltan qui vient de se placer, je crois, 7ème exactement. Ça bouge pas mal. On a McCain qui vient de s'inscrire 5ème de cette séance qualificative, alors qu'on est déjà quasiment au tiers de cette séance. En tout cas, il y a du soutien sur le chat et ça fait plaisir. Vous êtes nombreux, pas beaucoup de participants ce soir, quoique nous sommes quand même 16, de quoi avoir de la bagarre en piste. Pas de présence de certaines voitures, en tout cas, il y a eu du changement puisqu'il n'y aura plus qu'une seule Opel Omega qui sera en piste. La voici, c'est celle de notre ami Holden, ce qui évitera les quiproquos avec le numéro, puisque n'étant proposé qu'avec une seule livrée dans un race room, cette voiture parfois posait quelques petits soucis. Vous embarquez avec justement la voiture avec l'éclair sur le capot, l'Opel évidemment. Et pour l'instant, assez surpris, puisque si vous êtes sur la page fan de ce championnat SCTC, vous pouvez la retrouver d'ailleurs dans le descriptif de cette VOD YouTube si vous nous regardez sur YouTube, si pas sur le live, c'est dans la description de la chaîne Twitch, bien sûr. Eh bien, vous pourrez retrouver l'ensemble des actualités, les classements, les infos et parfois même quelques petits trolls que se font les pilotes, ainsi que les résultats des séances effectuées hors direct et hors championnat. Et ainsi, eh bien, vous pourrez, pourquoi pas, découvrir un petit peu plus cette bande de joyeux lurons qui, eh bien, comme on dit dans le métier, se tire la bourre depuis maintenant quelques mois après un championnat que vous pouvez également retrouver sur la chaîne YouTube Max Soul Pilote, qui avait eu lieu sur, eh bien, la BMW 320 TC de l'époque. En ce qui concerne les temps, ça ne bouge pas. Ouais, Jefferson qui est allé taper. Jefferson qui est allé se faire piéger là. Alors, en caméra embarquée, c'est une petite nouveauté cette caméra. Est-ce qu'on peut sortir cette voiture du bac à gravier? Ça va être un petit peu compliqué hein, de pouvoir libérer et délivrer cette voiture des graviers. Et oui, deux courses de 30 minutes. Après la séance qualificative qui va terminer dans 7 minutes 43. Et il y a eu quelques petits changements avec le Brass, je pense, ou Yak qui vient de passer au niveau des chronos. Ça évolue pas mal. Hein, dans les secteurs où il y a eu du dégât sur cette voiture, ça a été touché. Alors visiblement, on va suivre attentivement cette voiture, la BMW 635 CSI, aux couleurs d'un cigarettier bien connu, que l'on reconnaît dans le peloton déjà parce qu'elle est rouge et on ne peut pas la manquer, et surtout parce que son jeune pilote Veneno a été en proie à de nombreux soucis de connexion et plusieurs fois depuis le début du championnat, et la direction de course lui a demandé de se retirer. Voilà Veneno, 15ème, qui va conclure un chrono et qui le place au 9ème rang, et il a peut-être gêné Marcelli. Est-ce que Marcelli était dans un tour rapide? On va voir ça. Que ça attaque pour le pilote Volvo pour l'instant en première ligne. Bon, ça n'a pas l'air d'attaquer outre mesure pour l'instant. On va aller voir avec Francky qui est au box, le pilote corse. Ça ne bouge pas. À bord de la voiture de Yak maintenant. Alors, est-ce qu'on peut regarder un petit peu au moins au niveau des secteurs 7-10e? Ça améliore pour Yak, que l'on espère voir un petit peu plus sur cette technique de départ. On a vu pas mal de pilotes reprendre un petit peu de niveau depuis le début de cette saison. On pense notamment aux pilotes de la Game Motorsport qui sont en train de bien évoluer dans ce championnat. On rappelle donc deux Audi en piste, une seule Volvo pour l'instant. Le BMW 635, même s'il y en a quelques-unes qui sont en train de rentrer également, ça bouge. Donc on va suivre, on va retourner avec Yak dans le cockpit de la BMW 635, de la BMW M3 pardon. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. Merci d'avoir choisi de passer votre samedi soir en notre compagnie. Il y a du sim racing, la saison va reprendre. Comme je le disais, avec la FFSA également le mercredi, et Yark qui eh bien, améliore mais pas sa position. Beaucoup de pilotes sont au stand pour l'instant. Il va rester 6 minutes 20 dans cette séance, puisque je le rappelle, si vous venez de nous rejoindre, les 5 dernières minutes sont allouées à l'interview du Poleman. Pas de séance de warm-up proposée ici. On est avec McCain qui est gêné par la voiture numéro
44, c'est une des Volvo. Est-ce que c'est Toto Zoltan? Il va falloir vérifier cela. En tout cas, c'est la quatrième place, mais ça va être gêné là pour la voiture numéro 44. Alors, est-ce qu'ils sont tous les deux en tour rapide? On va voir s'il s'agit. Oui, voilà, c'est Toto. On est d'abord de l'Audi V8, mais là. Il va falloir s'écarter hein, si on ne veut pas gêner tout le monde. Et finalement, là, c'est Zoltan qui était dans l'aventure. Et Toto qui va finalement s'écarter. Voilà, nous étions sur la mauvaise Audi alors que ça rentre derrière pour, je crois, McCain. Effectivement, McCain qui stoppe. On retourne du côté de Toto qui était bloqué. On est avec Jefferson qui vient d'être booté hors du top 10 par Sosoy. Première fois que l'on voit à l'image cette BMW jaune. Évolue bien sur cette piste de Zandvoort. On la voit, la M3, une voiture très homogène. La version groupe A, un peu plus véloce que la version DTM. Il y a quelques spécificités techniques différentes entre les deux voitures. Vous voyez qu'on va très large ici. Ça risque d'être très très chaud hein, le départ. De toute manière, les pilotes qui ont envie de tirer leur épingle du jeu rapidement, puisque eh bien, le classement, il reste plus tant de manches que ça, puisqu'il ne resterait peut-être que deux manches au lieu de trois d'ici la fin de la saison. On ira évidemment sur la mythique Nordschleife, évidemment, rappelez-vous de cette piste qui était mythique et qui a aujourd'hui été défigurée pour des raisons de sécurité, notamment le secteur de Flugplatz. Nous sommes, je pense, dans une des dernières générations de jeux de simulation où nous pouvons profiter de la Nordschleife telle que nous l'aimons avant de découvrir eh bien, les nouvelles versions, dont je pense par exemple dans Gran Turismo Sport ou sur d'autres titres. En tout cas, ça ne bouge plus. On est en train de tourner, mais pas d'améliorer pour l'ensemble des pilotes. Pour l'instant, ça reste eh bien, Guigui, Guimauve qui est en tête. Pour l'instant, avec la Mercedes, quasiment un full top 4. Hein. Pour les Mercedes, il n'y avait pas la Veloce Volvo de Marzelli. Et Francky qui vient de me donner tort, puisque le pilote corse vient de s'inscrire au 5e rang avec la BMW M3 verte. Il a mis du temps à se mettre en route, évidemment, hein, comme on est en Corse. Il faut avoir la peine de se lever. Derrière, c'est sorti très fort pour une des Mercedes, et c'est Binamé. Alors Binamé qui peut retrouver le bon sens de la marche. On a vu pas mal de pilotes se faire piéger dans cette première courbe. Courbe que vous connaissez certainement. Courbe de Tarzan, qui a vu bon nombre de pilotes déguster les pneus. On se rappelle notamment eh bien, de Nico Rosberg, qui à l'époque en Formule 3 avait pulvérisé sa monoplace, un moteur Mercedes, dans le mur de pneus. Gilles Villeneuve y était allé aussi dans ce bac à gravier en 78, 79 si je ne dis pas de bêtises. Alors là, il va falloir fouiller dans les archives. Et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur le chat. N'hésitez pas à partager, bien évidemment, ce direct. Il va nous rester moins de 3 minutes dans cette séance d'essai qualificative, et plusieurs pilotes sont en train de bien s'en remettre de ce début de séance, avec notamment Veneno qui inscrit le 10e temps. Filou vient d'inscrire le 12e, repoussant ainsi au 13e rang la l'Omega. Il n'est toujours pas sorti pour Holden. Les Audi qui ont toujours beaucoup de mal. Yann Goncalves qui évolue lui au 15e rang pour l'instant. On va suivre un petit peu le chrono de cette BMW 635 depuis le cockpit de cette voiture ici à Zandvoort. Vous voyez donc une piste particulièrement large dans certains secteurs, mais ça se resserre. On nous confirme 79 pour Gilles Villeneuve, merci. Alors qu'au niveau du record personnel de notre ami Guimauve, eh bien, s'est battu. On est en 1.41.498. Le record personnel était en 1.41.500 et quelques. Et donc la pression du direct fait que eh bien, on a un petit peu plus d'adrénaline et pourquoi pas de dopamine. Et tout cela mélangé fait qu'on peut sortir quelque chose de tout à fait correct. On rappelle que la séance se termine à 5 minutes du chrono. Alors Yann qui va conclure un premier tour chronométré, mais ça ne sera pas suffisant pour améliorer. Il reste 15e en sandwich entre eux. Et les Audi, Guigui lui en a terminé avec sa séance. Akrapovic qui vient de commencer un nouveau chrono, passant ainsi deuxième devant Marzelli. Ça ne bouge toujours pas. En tout cas, la voiture pour l'instant qu'il faut dans ce championnat, c'est une Mercedes 190. Mais on sait que certaines voitures ont un moteur un peu plus agréable, notamment la BMW. On pourrait, pourquoi pas, avoir
une différence. Allez, je sais que vous êtes nombreux à être fans, on embarque avec la Volvo de Marcelli. Sublime suédoise, hein, cette Volvo 242 turbo. Réel plaisir, je vais même me taire et vous laisser un peu profiter de cette caméra embarquée. Voilà, un réel plaisir, alors que dans 10 secondes, ça va être terminé. Les pilotes qui passent le transpondeur vont entamer leur dernier tour et on ne pourra plus passer. Alors, on va voir qui sera le premier. Voilà, le chrono est d'office terminé maintenant. Donc, tout le monde va devoir terminer le tour qu'il a entamé. Et au passage du transpondeur, eh bien, on terminera tout simplement cette séance qualificative ici à Zandvoort. Troisième manche de la saison. Est-ce que Marcelli aurait soulagé? Ce ne serait pas étonnant, même s'il a l'air d'être un peu plus lent. C'est peut-être un effet d'optique avec l'écrasement de la vue de face. Alors, est-ce que ça rentre? Je pense que ça rentre. Il a l'air lent, Marcelli. Alors, c'est peut-être un effet d'optique, mais oui, ça va rentrer. J'avais vu juste. Il reste plus grand monde en piste. Il y a Francky qui est encore en tour rapide. Attention, le pilote BMW n'est quand même qu'à 6 dixièmes de McCain avec la même voiture. Sosoy également en tour rapide. Biname vient d'en terminer. McCain va également terminer son chrono. Non, c'est déjà fait. Veneno y est aussi. Jefferson vient de passer. Philou aussi. Et pour Toto, ça semble bien mal engagé. On va suivre Francky qui termine son chrono. Toujours le style agressif. Hein. Francky, on le sait. Ça contre-braque à foison. Il jette vraiment sa BM dans les grandes courbes, notre ami Corse. Allez, oh bah c'est trop large tout simplement et ça ne sera pas une amélioration, ce sera terminé. Alors on vous a dit qu'il est allé chercher la limite et peut-être même un peu plus. Eh bien il ne reste que Veneno, ce qui ne devrait pas grandement changer la face de cette séance. On va retourner d'ici quelques instants sur le classement. Voilà ce classement que vous découvrez et on se retrouve d'ici quelques secondes pour vivre l'interview finalement du pilote en pole position. D'ici là, une petite pause, à tout de suite. Et on se retrouve en cabine avec normalement Guigui qui doit nous entendre. Bonsoir. Salut. Alors, tu viens de signer une pole position et tu nous le disais dans le chat, tu as même amélioré ton record. Alors, raconte-nous un peu comment tu as vécu ce quart d'heure de qualification. Ah, que j'aime. J'ai été aidé par la Audi de Toto en ligne droite, ce qui m'a permis d'améliorer mon secteur 1. Mm-hmm. Et le record s'est suivi. Déjà que je n'ai pas pu rouler tout l'été à cause que mon G27 a rendu là, mais j'ai eu mon G29 il y a 2 semaines. Ah, et du coup, tu sens une différence dans ta conduite, oui, avec ce G29? Oui.
Et c'est plutôt positif ou négatif? Parce qu'une différence peut être négative aussi. Ah oui, c'est plutôt positif. Je roulais même pas le 1.42 avec le G27. Mais sinon, mon problème encore reste le départ. Oui. Et durant 2-3 jours, je me suis entraîné sur les départs. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Alors, tu parles du départ qui est toujours un point délicat, on le sait, dans ce race room avec la Mercedes. Mais derrière toi, tu as une autre Mercedes, mais c'est une pole assez autoritaire avec quasiment plus d'une demi-seconde quand même d'avance. Donc, ça n'est pas rien. Est-ce que tu penses que le rythme de course pourrait tenir et que si tu parviens comme tu essaies, on va dire, à chaque fois, malheureusement, que tu parviens à t'extraire, c'est pas course gagnée, mais ce sera plus de la gestion. Est-ce qu'ici, les pneumatiques peuvent être aussi... quelque chose à risque sur le long terme, sur les demi-heures de course? Je sais pas. Pour certains, oui, mais moi, j'ai jamais eu de problème encore avec les pneus. D'accord. Bah écoute, on voit que le temps presse, donc on ne va pas te déranger plus longtemps. Merci d'avoir pris le temps de nous passer quelques mots et on te laisse préparer ta course qui débute d'ici quelques instants. Merci à toi et bonne chance. Merci. Salut. Alors, vous l'entendez, on est concentré hein, du côté... de notre ami Guigui, on n'a pas la parole facile, alors que pourtant le garçon a la langue pendue habituellement et même la blague facile, mais quand on est dans ce genre de course, évidemment, eh bien, ça ne rigole pas, on fait attention à ce qu'on dit, on reste surtout concentré. De notre côté, fin de la séance qualificative, vous allez découvrir d'ici quelques instants le tableau récapitulatif de cette séance, avec donc la pole position pour notre ami bien Guigui, Guimauve, vu une demi-seconde devant Akrapovic. Et bien voilà, finalement non, on ne retrouvera pas le classement. Race Room nous a fait une petite blague. La grille est en train de se former. D'ici quelques secondes, ce sera le départ. Soyez présents, soyez chauds. On vous attend sur le chat. N'hésitez pas à partager également ce live pour être plus de fous. Car plus on est de fous, plus on rit. A tout de suite pour la première course ici à Zandvoort. Il n'y aura pas fallu longtemps aux pilotes pour se mettre en formation. Voilà, vous êtes avec notre safety car national, la voiture de notre cher Andy Wheeler, pilote ce soir de cette voiture de sécurité. On le remercie puisqu'il a ce soir en plus le rôle de directeur de course. Un bref passage en revue de cette grille de départ puisque le tour va être assez court ici à Zandvoort. On va être parti pour 30 minutes de compétition. La pole position donc pour Guimauve sur sa Mercedes. Guigui Lali, que vous avez entendu très concentré il y a de cela quelques secondes. Akrapovic également qui doit bien se reprendre un petit peu au niveau du classement. Il est deuxième et il pourrait, s'il marque un point de plus que McCain, le pilote belge, qui lui partira cinquième, et bien reprendre la tête de ce championnat à mi-week-end. La troisième place de cette grille de départ revient à une Volvo, celle de Marcelli, Julien de son prénom, première Volvo à surveiller donc cette voiture plutôt véloce qui devrait mener la vie dure aux Mercedes de pointe. Une autre Mercedes de pointe, la voici, celle de McCain, le pilote leader du championnat. Il a été plutôt surpris il y a quelques semaines de cela, de s'en être aussi bien sorti lors du deuxième round. Et pourquoi pas, après Laguna Seca, profiter des nuages de Zandvoort pour conforter sa place de leader au championnat. Derrière, notre pilote corse sur la voiture Tic Tac, la première BMW, puisqu'on ne compte pas le safety car évidemment. Désolé pour les fans de la marque bavaroise, qui s'élancera donc juste derrière. Ensuite, devrait suivre Sosoy, la deuxième BMW, qui elle n'est pas une DTM mais une groupe A.
La septième place revient à Binamé, la huitième à Lebras, la neuvième à Yak, la dixième pour la première BMW 635 CSI, celle de Veneno, le jeune pilote marseillais. Ensuite, nous avons la numéro 100, facile à retenir celle-là, celle de Gros Filou. Holden engage la seule Opel Omega du plateau devant la première Audi. Et oui, les Audi qui ont toujours autant de mal à vouloir progresser dans ce championnat. On conclut avec la dernière ligne finalement complète, celle de Yann Conclaves aux côtés de Toto Breton. Et ensuite, c'est Jefferson Baguizan qui se retrouve 17e de cette grille de départ, mais donc 16e puisque, vous allez le voir, la voiture de sécurité va rester en queue de peloton et tout le monde va venir se remettre sur la grille de départ pour une course de 30 minutes. Faites vos pronostics sur le chat, c'est le moment de vous exprimer. À vous de voir avec qui vous voulez vous mettre comme supporter. La fin de la grille qui est en train de tout doucement se former. On est avec les dernières Audi ici. Ça va bientôt être complet. Nous sommes sur Guigui, que nous connaissons bien pour avoir des départs difficiles. Le départ, justement, ça va être dans quelques secondes ici. À Zandvoort, on est prêt pour l'extinction des feux. Le départ qui va être donné dans quelques secondes par la direction de course. Première course de la soirée, troisième manche de cette saison, ici à Zandvoort. Un petit peu de temps, la procédure qui est un petit peu longue de notre côté. J'espère que tout se passe bien. Allez, on est prêt dans les différentes voitures, ça devrait partir très très vite. Est-ce qu'on patienterait pas pour les 30 minutes pour le coup ? On espère que les voitures ne vont pas prendre de température moteur et perdre en température de pneus. C'est parti, le départ de cette première manche ici à Zandvoort. Et Guigui qui prend un mauvais départ, on l'avait dit, on l'avait pressenti avec eux. Guigui qui se fait donc déjà chipper la tête de cette épreuve par Akrapovic. Attention, derrière ça risque d'être un peu compliqué. Il y a des voitures qui risquent de se toucher. Les deux BMW au contact et le sandwich avec la voiture de Yak et de Lebras. Oh, attention à Veneno derrière qui va risquer cher là pour se placer le contact avec la voiture numéro. Oh, et devant c'est Marcelli qui est parti au contact. On embarque avec la BMW 635 et ça glisse beaucoup devant. C'est Binamé qui est en dérive devant, donc bon départ pour Akrapovic qui a pris la tête. Devant c'est très chaud également avec Sosson qui attaque déjà Lebras. Ce n'est pas Lebras, pardon, c'est Francky devant. Il y a une autre BM en difficulté, mais ici, ce sont les Mercedes qui s'expliquent pour la tête de course. Donc Akrapovic devant Guigui, mais déjà McCain, le troisième, très pressant sur le pilote québécois. Très beau départ de la part des Mercedes, comme à la parade. Et derrière, Francky qui s'est fait percuter. L'accident avec la BMW qui met un fouillis pas possible dans le paquet. Il y a, je crois, Sosoy qui est également au ralenti. Et c'est Marcelli qui peut récupérer les miettes de ces accidents et remonter quelques positions au classement. Et il y a des voitures qui sont au ralenti, notamment Sosoy qui a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans le noyau dur du peloton. C'est pas fini avec Francky qui continue de donner les coups de portière nécessaires pour se défendre tout en dérive. La BMW verte qui perd du temps. Derrière, il y a une Audi qui est prête à bondir. On est en caméra embarquée avec justement Binamé sur l'Audi. Et vous voyez que ça glisse beaucoup pour tout le monde. Et le premier tour est couvert sous le commandement d'Akrapovic. Mais regardez, oh, ça sort large pour la Mercedes. La BMW, Elodie qui part en tête à queue et qui percute les Armco en caméra embarquée. Que s'est-il passé? La voiture numéro 2 qui est allée percuter le rail, tout simplement, toute seule comme une grande. Devant, c'est pas terminé. Avec la voiture numéro 100 de Filou qui va tenter sa chance sur la voiture de son homologue de chez BMW. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans ce début de course. C'est assez le fourbi, des voitures à la faute également. Ah, c'est du vrai touring car les enfants. Là, vous n'êtes pas épargnés. La tête donc pour Akrapovic et les trois Mercedes déjà en train de prendre déjà quelques secondes d'avance. Il y a 4 secondes pleines entre la troisième voiture de McCain et la première BMW. Mais derrière c'est chaud avec Veneno qui a pris un excellent départ. Le pilote marseillais qui se retrouve sixième déjà aux trousses des premières
M3. Alors avantage moteur évidemment pour la série 6 face à la M3 de type DTM, pas la groupe 5, la groupe A pardon. La groupe 5 du BMW était plus puissante, ça aurait été plus compliqué. Et le sous-virage pour la voiture numéro 14 devant, c'est compliqué de la tenir en ligne. Que c'est serré tout cela. On va faire un petit point aussi sur ce qui se passe derrière. Oh, et ça continue d'être difficile pour, je pense, Marcelli. Qui subit beaucoup la loi des Mercedes, là, dans le noyau du peloton. Il y a du contact, il y a de la touchette. À bord avec la Mercedes verte qui attaque Binamé au freinage. Est-ce qu'il peut passer? Oh, le contact avec la voiture numéro 12. Un petit passage par le bac à gravier. Est-ce que l'Audi derrière pourra en profiter? Les Audi qui, mine de rien, commencent à remonter un petit peu. De retour avec Toto. Et non. Ça n'est pas passé. Pour Toto et devant, ça continue de se battre. Oh, et devant va remonter sur Marcelli. Derrière ne peut rien faire. On remonte devant donc sur la voiture de Veneno. Très très chaude. Hein. Veneno, il est à son affaire. Hein. Allez, on va vous laisser profiter un petit peu de la vue en caméra embarquée depuis la BMW rouge qui, à mon avis, s'est prise pour un taureau là parce qu'elle attaque. Très très fort. Et il est à l'aspi. Est-ce qu'il peut placer la voiture? Est-ce qu'il l'a vu surtout? Oui. Il n'est pas du bon côté Veneno, mais il est très menaçant. Ces deux voitures peuvent terminer tout simplement dans le bac à gravier. Et c'est Francky hein, derrière qui pourrait tirer les marrons du feu. Et on joue des gros points hein, mine de rien. Derrière Sosoy en difficulté avec sa BMW qui vient de céder la 12e place à Holden. Beaucoup d'écart très serré. Le freinage loupé de Veneno. Et il n'en faut pas plus à Francky pour passer. Et regardez ce qui se passe. Francky qui remonte très très fort. Il est très très chaud à bord avec Francky justement maintenant. Et ça glisse beaucoup pour Yac. Est-ce qu'au niveau des réglages, les gommes sont déjà en train de souffrir? On glisse peut-être plus que prévu hein, avec ces BMW M3. En tout cas devant, l'écart est très serré pour la tête. On repart un petit peu voir ce qui se passe en tête de cette première manche. Avec 5 minutes déjà découlées dans cette manche, il y aura une deuxième manche, je vous le rappelle, avec la grille inversée pour les 8 premiers. Suivez ça, ce sera plus tard ce soir. Et si vous souhaitez tenter également votre chance pour participer aux sélections et vous-même être dans ce championnat, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook BMW SCTC by Pitlane Motorsport. C'est dans la description sur Twitch et sur YouTube. Allez, on conclut un nouveau tour ici. On se retrouve avec Sosoy. On doit remonter après un début de course difficile. Derrière, les BMW également en prise à l'attaque avec les deux Audi. On est avec la deuxième, celle de Zoltan. Pour l'instant, c'est celle qui ferme la marche. Mais regardez, à tous les niveaux, il y a de la bagarre. Que ce soit pour la tête ou l'avant-dernière place. Oh, et l'Opel qui est allé à la faute. Est-ce que ça peut passer? On va embarquer avec l'autre Audi, celle de Toto. Et là, l'Opel qui a fait quelques petites incartades en bord de piste. Vous avez dit que cette courbe de Tarzan allait être le théâtre de chez de certains gros dépassements et surtout de belles manœuvres limites. Oh, c'est très serré avec Veneno qui continue sa marche de progression. Et là, il est pas loin non plus au niveau des écarts en temps réel. Regardez ça. Oh, et devant, c'est Francky qui va attaquer. Francky qui va attaquer. Oh, et les dégâts sur la voiture... de Le Bras, ça a tapé hein, pour Le Bras. Alors Francky de retour avec Yac, acte 4-5 déjà. La chicane du deuxième secteur. Oh là là, est-ce qu'il va aller protéger Yac ou est-ce que Francky peut plonger? Il y va. Et c'est passé, mais est-ce que ça peut passer aussi derrière pour Veneno? On embarque avec la BMW. Elle-même poursuit par une autre BMW que voici. Allez, on se retrouve avec Filou. Et sa BMW 8ème. On sort bien Filou dans ce début de première manche. Très très serré. À bord avec Veneno. Il y a Francky juste devant vous, voiture verte. Et Yac, voiture blanche. Yac qui fait de la défense, mais propre hein, pour l'instant. Bon, ça commence à laguer un petit peu pour Veneno, le pauvre. Pas la première fois cette saison. Ah oui, Veneno commence à avoir quelques soucis. La direction de course devrait être bien attentive à ce qui se passe sur cette BMW rouge avec peut-être le contact. Et oui, voilà.
Le contact avec Philou, malheureusement, qui se retrouve derrière Marcelli maintenant. Ah, dommage, il était dans le rythme. Veneno qui ne veut rien lâcher, hein. De toute façon, il est en train de refaire la couleur du pare-choc de la voiture de Frankie. Il se dit qu'il y a trop de vert, il va y mettre un petit peu de rouge. Pour le coup, c'est l'une des luttes les plus serrées que l'on a actuellement sur cette piste avec la tête de course, puisque Guigui, qui n'a pas réussi son envol, eh bien, s'est fait détrôner par Akrapovic pour l'instant, qui mène bien sa barque. Marcelli qui tente de remonter, Veneno s'il ne trouve pas l'ouverture, Marcelli lui va peut-être la trouver. Ouais, ça change aussi pas mal de trajectoire avec Frankie. Ouais, qui a peut-être, ça y est, trouvé l'ouverture. Oh, ça part dans le gravier malheureusement pour Yak. Est-ce que Veneno peut aussi en profiter? On est dans la BMW rouge. Est-ce que la voiture numéro 22 peut passer à l'extérieur? Oui, on suit maintenant Marcelli à bord avec la Volvo, la seule ce soir engagée. Et Yak qui résiste, hein. Il a laissé sauter un bouchon avec Frankie qui est passé, mais derrière il va falloir trouver... l'ouverture, hein, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est Neno qui est dans l'aspiration complet. Est-ce que Yak peut résister? Il est à l'intérieur pour la courbe de Tarzan. Est-ce que la troisième ligne va être créée par Marcelli? Non, il n'y a tout simplement pas la place pour la Volvo. Mais peut-être pas pour longtemps. Ils sont côte à côte. Pas sur la tête de course, il y a 7 dixièmes pour l'instant entre Akrapovic et Guigui. Et nouvelle relance avec Marcelli qui reste au contact, hein, le pilote de la Volvo qui fait le café. La BMW là qui est très très chaude, on va embarquer un petit peu avec, avec la Volvo. Est-ce qu'on peut aller sur l'autre caméra, voilà, à l'intérieur pour avoir une vue un peu plus d'ensemble. Et on n'hésite pas à y aller sur les vibreurs, hein, tant qu'à faire ici. Mais pas en F1, les limites de la piste, c'est pour les petits bras. Et il en faut des bras pour tenir ces voitures, croyez-moi, pour avoir piloté bon nombre de ces bolides. C'est pas toujours simple, et la preuve en est avec Veneno. Est en train de céder à Marcelli sa position, la 7ème, alors que derrière on a vu que c'était très serré aussi entre eux. Philou et Binamé. On va d'abord suivre ce premier freinage entre les deux pilotes. Et pas de changement. Est-ce que derrière lui, Binamé peut porter l'attaque? Oui, à la chicane. Binamé qui passe et qui s'embarque de la 9ème place. Oh, c'est pas fait le contact! Et c'est le mur pour la BMW. Où en est-il? Philou qui aura été malmené, hein, dans cette épreuve. Un peu devant, ça commence à lâcher. Si, ça lâche pas du tout par contre avec Binamé qui a donc dû céder, vous avez vu, qui a donc pris l'avantage, pardon. Ici maintenant c'est à Marcelli de résister, il vient de passer Veneno. Veneno qui doit être fou furieux dans sa voiture après avoir cédé face à Yak. C'est maintenant compliqué. Oh là 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 là. C'est très très chaud. Ah, il y a du spectacle, hein, ce soir. On voit qu'ils étaient en vacances, ils avaient envie de rouler. Là, ils y sont, hein, ils sont à leur affaire. Avec la Volvo maintenant. Oh, qui est peut-être parti à la faute, là. Dérive contrôlée, c'est pas la plus simple à contrôler, cette Volvo Turbo. Alors, Marcelli. Est-ce que le petit push sur son homologue devant l'aidera à prendre l'avantage? On joue des points, je vous le rappelle, les 10 premiers marquent des points ici. Si on fait une petite situation sur la voiture, pas de problème mécanique pour la Volvo qui a pourtant été un petit peu malmenée, hein, depuis le début de cette épreuve. Mais elle est encore plutôt droite, hein, contrairement à d'autres voitures. Par exemple, on va aller voir notre ami Le Bras qui lui a été victime de beaucoup de contacts, mais qui est quatrième. Alors Frankie remonte, est-ce qu'en 18 minutes, Frankie pourrait recoller? On verra ça. En tout cas, certains sont en train de coller, hein. Oh là là, il y a Binamé là qui est en train, qui a peut-être abandonné. Il y a peut-être souci de connexion. On va pas aller voir tout de suite Binamé. Mais peut-être un problème de connexion de son côté parce qu'il jongle dans notre classement. Un nouveau tour couvert à 18 minutes de l'arrivée. Oh, et ça le protège. Et le attention, double changement de ligne, messieurs. Parce que là, Yak s'est fait surprendre en sortie de virage. Les appels de phare pour Veneno qui dit attention les gars, je suis encore là, ne m'oubliez pas. Allez, depuis la voiture de Veneno pour suivre cette superbe bagarre.
Oh, le contact avec Yak qui résiste peut-être un peu trop. Et le nouveau contact, et c'est là. Eh oui, il est pas content, Veneno, parce qu'il a failli être la victime collatérale de la défense plus que limite de Yak, qui a dû être inspiré par les dernières courses en F1 de Max Verstappen, là, pour sa défense. C'était assez serré en queue de peloton, ou en tout cas au-delà du top 10. Ça reste également la grosse explication entre la deuxième BMW 635. Décidément, c'est la voiture qu'il fallait pour s'expliquer ce soir ici à Zandvoort, avec notamment la voiture de Sosoy, avec qui on embarque maintenant 13e. Passer la 635 au moteur, comme quoi tout peut arriver, rendez-vous compte. Devant Yak, est-ce qu'il est passé? Est-ce que Marcelli est passé? On va voir ça. On reste avec Yak. Contact quasiment. La chicane, peut-être le retour de Yak. Effectivement, le bras, c'est plus une BMW avec laquelle il roule, mais une Isetta. Oh, le freinage et le push de Yak! Ah, c'est du touring car là, hein. Si vous n'en avez jamais vu, allez checker. Oh, le petit push, et là voilà. Là, c'est allé au-delà. Attention, retour en piste pour Marcelli. Et très sportivement, on peut le noter. Eh bien, oh là là, Veneno, lui, par contre, il n'a pas hésité à prendre la porte qui a laissé ouverte Yak depuis le temps qu'il a voulu celle-là. Il est passé. Alors, on va vous expliquer un petit quelque chose qui fait partie du règlement. Hein. C'est l'explication par l'image, pour le coup, avec la petite erreur de Yak qui a emmené. Avec lui Marcelli, qui l'a donc attendu et qui n'a pas profité de l'erreur. Par contre là, le plongeon est beaucoup trop tardif pour Yak. Heureusement que Veneno est passé avec assez d'avance, sinon il nous en mettait deux dans le bac là, notre ami Yak. C'était plutôt chaud derrière. On a vu une voiture qui était au box. Non, on a vu une voiture qui est dans l'herbe là par contre. Alors, Sosoy va-t-il revenir? Alors, la direction de course qui nous indique que plusieurs incidents ont eu lieu en début de course, la direction de course fait ses enquêtes et donnera son jugement après l'abaissement du drapeau à damier. C'est ce qu'il faut donc retenir. Alors, Yak n'a pas dit son dernier mot, on le sait plus. Oh là là, il va fort, là, il accroche quasiment sa voiture au bord de piste. Alors, on va quand même retourner en tête de course parce qu'il faudrait quand même que vous ayez un point sur ce qui se passe devant. Akrapovic en tête avec... Vous le voyez, Guigui, on est dans la voiture du pilote qui avait réalisé là, pour le rappel, en 45-4. Record absolu du pilote québécois, il nous l'avait confié lors de l'interview pré-course. Avec le bruit de cette Mercedes, pas de gestion de pneus outre mesure ici, on a dit que c'était plutôt cool. Et Yak qui revient. Pour lui, c'est moins cool, hein, pour le coup. Cette épreuve s'est disputée. Hein. Là, franchement, ils sont bien intelligents et malins et peut-être visionnaires, ceux qui lui donnaient le classement du top 10. Oh, et c'est trop pour Yak qui part au-delà des limites de cette piste de Zandvoort. Et très serré. Le championnat FFSA reprend, je crois, la semaine prochaine, que ce soit Porsche Cup ou GTE Series. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté du... blog qui est disponible dans la description. Un point sur la map, comme c'est demandé. Voyez les écarts, donc le leader 1 et 2 après un gouffre, et nous avons donc McCain qui est complètement isolé, 3ème. Ensuite 4, 5, 6, 7, 8, c'est très chaud. Même 7, 8, on les voit quasiment pas. Et ensuite vous voyez le reste des pilotes sur cette piste. La 11 et 12ème place est également très chaude. On va aller voir ça avec, bien voilà, Holden qui a été battu mais qui va reprendre sa place face à Sosoy. Est-ce que Sosoy peut croiser? Et non, la BMW est battue. Oh, la relance hasardeuse. Oh, ça peut peut-être passer. Alors que là, on a été piégé par la réalisation. C'est compliqué pour Sosoy. Mais il arrive à la tenir, si je puis dire, en main. Alors que devant, l'explication continue entre Yak et Veneno. C'est pas fini. Yak qui n'a pas dit son dernier mot. On est côte à côte, ici avec Yak qui continue de glisser de tous les côtés à bord de la BMW Série 3. Et la porte qui est logiquement fermée par Veneno, mais ça ne peut pas empêcher Yak de croiser. Est-ce qu'il va replonger ici sur la gauche? Et non, et de nouveau un petit push de Yak qui commence à aimer cette manœuvre en sortie de chicane, à direction de course. Ce reste laisse moins passer ce genre de choses. Alors les points seront attribués aux 10 premiers de ce classement, donc Sosoy qui va peut-être réussir à les marquer. Mais il y
y a beaucoup d'écart avec le pilote qui le précède. Holden qui, lui, est derrière. Suivi derrière ce seuil, justement. Ce seuil étant le fond de votre image. Alors qu'il reste 12 minutes de temps dans cette épreuve. Et l'écart toujours de moins de 2 secondes entre les leaders que l'on voit. Ils sont quasiment dans la même image. Hein. On voit Akrapovic qui tourne et derrière. Et Guigui qui est également très attentif à ce que fait son adversaire. Deux qui ne se lâchent pas non plus, c'est bien sûr Yak et Veneno. Depuis le début de cette épreuve, attention, est-ce qu'on va avoir une attaque? Oh, le freinage un peu à la limite. Attention, ça revient également pour Marcelli qui était rapide mais qui s'est fait, comme je vous le disais, un petit peu mettre dehors par ses adversaires. Alors c'est fait. Merci pour le retour au niveau du son. Si vous avez des soucis, ne vous inquiétez pas. Oh, et Marcelli qui a failli tout seul aller se mettre dans les pneus. Oh, derrière, ça joue aussi des coudes. Qui était-ce, là, les écarts qui se... Voilà, c'était toujours Veneno et Yak. Pourquoi poser la question? Et Yak qui commence à donner des petits pushs. Hein, et ce sera peut-être bientôt le push de trop pour Yak. 21h45, toujours pas de direction de course... De notre côté, alors c'est là qu'il peut faire la différence, il parvient à replonger sur la gauche, mais malheureusement le dessin de cette chicane l'empêche de faire la différence. Et regardez les pneus qui s'usent. Et le Brass qui maintient sa quatrième place, il est un petit peu isolé, mais derrière ça remonte effectivement. Regardez ça derrière le Brass, et bien Francky qui vient de céder une place à Marcelli qui va peut-être attaquer à l'extérieur la Volvo. Oh là là, il est très très chaud le pilote de la Suédoise. Francky n'a pas dit son dernier mot. Alors les trois là, le Brass, Marcelli et Francky, ça peut nous donner une bagarre. Très très chaude. Et effectivement, visiblement, Zoltan n'est plus là et Francky qui a failli nous quitter. Oui, déventé. Francky qui vient d'être déventé tout simplement après cette erreur. Peut-être un peu d'énervement de la part de notre ami Corse qui chute donc à la... Sixième place, le pied de podium est toujours à la lutte. Le Brass qui le tenait tranquillement depuis le début de l'épreuve va avoir maintenant sur le paletot un pilote plutôt motivé, hein, Marcelli. Il va tout faire pour aller chercher la quatrième place. Bon, le podium ça risque d'être à ses limites. Allez, on embarque avec la Volvo qui va tenter de croiser. Pourquoi pas, il n'y a qu'à essayer, ça peut passer. Ici la piste est large, difficile de défendre quand vous êtes chassé dans cette partie-ci. Alors... on va signaler quand même aux carrossiers et aux mécaniciens du côté du Team Fina qu'il va falloir bosser hein, pendant le repair time entre les courses. Et regardez la défense, on ferme la porte, on zigzague quasiment. Et évidemment, on freine plus tard suite à cela. Petite déconnexion pour le Brass qui nous revient en piste, voilà. C'est beaucoup mieux que la première course qui avait été un calvaire à ce niveau-là. Est-ce que Marcelli peut passer? Ils sont côte à côte et Marcelli qui vient de s'emparer d'une nouvelle place, mais c'est pas fini. Le Brass à l'extérieur, on va essayer de voir si voilà, le Brass peut nous accueillir dans sa BMW, c'est maintenant le cas. Et on conclut un nouveau tour dans le dernier tiers de cette première manche de la soirée. On le rappelle, les pilotes qui terminent dans les 8 premières places partiront en gris inversé en deuxième course, ce qui fait que pour l'instant, eh bien, c'est Binamé qui partira en pôle aux côtés de Yak dans la deuxième épreuve, de quoi nous valoir quelque chose d'assez sportif avec la remontée. Des pilotes Mercedes, le triplé Mercedes, il n'y a pas de classement constructeur officiellement tenu par la réalisation et par l'organisation, mais pourquoi pas jeter un coup d'œil au classement des constructeurs, parce que pour l'instant c'est Mercedes qui est en train de faire quelque chose de très très propre. Au niveau des écarts, pour l'instant tout le monde se tient à environ une bonne seconde au moins, moins d'une seconde entre le Brass et Marcelli, ce sont les deux voitures les plus proches en ce moment. Sur cette piste de Zandvoort, troisième manche du championnat, peut-être la 3 des 5 manches, peut-être que Macao ne sera pas fait ou sera fait en fin de championnat. On est encore à l'étude de certaines choses. La faute de Marcelli tout seul, qu'est-ce qui s'est passé pour la Volvo? Marcelli qui est parti à la faute, c'est dommage, alors qu'il avait fait un travail incroyable pour revenir. Le pilote de la Volvo peut-être en train de flancher avec ses pneumatiques, c'est toujours délicat. Et malheureusement, la belle Suédoise qui se retrouve maintenant au 6ème rang. Près de 3 secondes d'écart. 3 secondes pleines maintenant entre Akrapovic et son poursuivant.
R, pas trop d'écart. On est avec le triplé, le trio infernal, le Brass, Frankie, Marcelli. Et Yak qui revient tout doucement derrière, il se fait discret. Veneno 9ème après une belle lutte qui a finalement glissé au fur et à mesure des tours. C'est compliqué hein, pour ces BMW série 6, tel point qu'il va même percuter le mur, le pauvre. De quoi permettre à Filou de revenir. Est-ce que la Volvo est en train de cramer ses pneumatiques? C'est pas impossible. On reste attentif à ça tout de même. Marcelli qui revient sur Franky. Il va lui rester 7 minutes. Peut-être 4 tours pour changer la tendance. On embarque d'ailleurs avec la Volvo dont vous pourrez profiter d'un superbe son moteur. Et vous avez donc pu profiter de ces quelques virages en délicatesse, en glissade avec la Volvo. Toujours un vrai plaisir d'écouter cette voiture et ça se resserre justement. On fait bien de porter l'attention sur la voiture du pilote corse parce que ça risque de chauffer pour lui d'ici quelques encablures puisqu'à 6 minutes exactement de la fin de cette séance, ça n'est pas fait. Loin de là. Regardez ça, la Volvo qui en ligne droite n'a pas tant de soucis de pneus que ça. Hein. Contrairement à ce qu'on peut lire sur le chat, c'était une... possibilité effectivement, mais c'était peut-être un peu prématuré là pour aller attaquer la BMW. Oui, la BMW qui part à la faute. Attention, peut-être un peu de pression dans le chef du pilote corse. Ça survire, ça s'ouvre, ça glisse beaucoup. On a failli avoir un accident en studio également avec une boisson qui a failli voler. Ça nous rappelle des souvenirs. Alors. Frankie, face à Veneno, pas faire grand chose de pilote corse à part tenir, mais ça risque de pas durer longtemps. Et voilà justement la faute pour la BMW qui est partie mettre deux roues, voire un peu plus dans l'herbe, mais ça tient pour l'instant. Retour sur le tableau de bord de la Volvo, sous virage vous le voyez de la BMW. Pas terminé cette course, attention. Ça survire beaucoup pour la BMW, on sent la difficulté de la tenir hein, cette voiture en fin d'épreuve, il va rester moins de 5 minutes. La messe semble dite pour la tête de course, mais là, vous voyez la trajectoire, le freinage qui est coupé par la BMW. Afin d'empêcher eh bien, à la Volvo de se décaler dans cette chicane. Alors qu'il y a des pilotes qui sont à 1 minute 13. 1 minute 30 pour les derniers, on va quasiment avoir un tour de prix hein, pour les leaders. Sachant qu'on tourne ici en... 1.45 et la sortie très très chaude de Marcelli qui va s'emparer devant notre cabine de la place de Franky. Le top 5 pour la Volvo. Bon, c'est pas fini, attention, la BMW peut riposter. Nous sommes avec justement le pilote corse. Et bonsoir à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live, merci d'avoir choisi de passer une partie de votre samedi soir en notre compagnie. Et ça va aller dans le mur, non? Ça va aller au contact par contre avec eh bien, la BMW Tic-Tac qui est allée faire un petit sandwich avec la Volvo. Heureusement il y avait encore quelques centimètres qui les séparaient des pneus parce que sinon ça aurait pu très très mal terminer. Franky qui décroche un petit peu, le prochain à trembler ce sera Yak sur la liste. 7ème qui va devoir s'en faire au classement général parce que s'il est dépassé, ce qui est le cas, Franky également, le seul à qui on pourrait encore causer du tort aujourd'hui je pense c'est le Brass. Le Brass qui s'il perd deux positions dans les derniers tours, on ne lui souhaite pas évidemment,
eh bien ce serait un petit peu un vice repetita de ce qui s'était passé lors d'une manche précédente où il a tenu très longtemps, notamment eh bien, à Laguna Seca, une position je crois sur le podium, et finalement ça s'était soldé par un top 5 et non pas une place sur le podium, ce qui est un petit peu dommage pour le pilote de la Game Motorsport qui tient bien, mais il craque souvent à 5 minutes de la fin. Et regardez, une nouvelle fois, on se retrouve à moins de 3 minutes de l'abaissement du drapeau à damier, et c'est sous pression qu'il va devoir terminer sa première course de la soirée. En ce qui concerne la deuxième manche, vous êtes censé normalement être au courant. Si ce n'est pas le cas, je vais vous le rappeler tout de suite. Eh bien, on va avoir la grille inversée. Les 8 premiers pilotes de cette première course partiront dans l'ordre inverse. Attention, parce que ça pourrait permettre à la Volvo d'attaquer. Oh, le bras qui freine dans la partie sale, il va être déporté à l'extérieur. La Volvo qui peut passer et sans... Oh, et la Volvo qui va dans le gravier, malheureusement. Et Francky qui repasse, et tout est à refaire pour Marcelli. Il va lui rester 2 minutes, donc peut-être 2 tours de course. Pas sûr que ça puisse le faire, malheureusement, peut-être trop gourmand. En tout cas, le Brasse qui défend bec et ongle sa position. Et le pilote corse qui, de nouveau, bien doit lorgner en plus de ce qui se passe devant lui dans ses rétroviseurs et cette Volvo jaune. Il va en faire des cauchemars, je pense. Que regardez, ça s'ouvre toujours, autant pour la BMW, ça va bientôt céder. En tout cas, la pression est assez intense pour les pilotes BMW en fin d'épreuve. En tête, ça ne bouge pas, on va jeter un bref coup d'œil à Akrapovic qui doit rentrer dans son dernier tour au niveau du chrono, puisqu'il va rester moins d'une minute 40, ce qui est à peu près le chrono effectué. Vous voyez, 1:42.296 pour le pilote de tête. Deuxième, et donc ce sera le pilote québécois. Troisième, McCain, leader, désormais ex-leader de ce championnat, je pense, au jeu des points. Et alors la lutte pour la troisième place, la quatrième place, pardon. Puisque devant Akra McCain, ça ne bougera pas. Mais là, par contre, le Brass, il est sous pression, moins d'une minute dans cette épreuve. À bientôt l'arrivée, restez avec nous puisqu'il y aura l'interview des trois premiers avant de passer à la deuxième manche de la soirée. On marquera une petite pause, histoire de souffler tous ensemble. Et de répondre à vos interrogations sur le chat si ça n'a pas été fait. Alors, Francky qui va protéger à l'intérieur. Avec la voiture, lorgné bien dans le rétroviseur. C'est peut-être un peu petit, mais vous allez voir revenir à fond de balle. Comme on dit, voilà la Volvo. Oh, et c'était proche du contact, ça. Voilà, maintenant, dans le baquet de la Volvo. On reste attentif à tout ce qui se passe en piste parce qu'il s'en passe des choses. Allez, on revient sur la tête de course un petit peu. J'ai les écarts sous les yeux en temps réel. Il y a une demi-seconde, même un peu plus maintenant, entre Francky et Marseille. Donc pas de quoi crier au loup. Ça risquera pas grand-chose, à mon avis, avant la fin de l'épreuve. Oh, si ça se resserre derrière. Et que je dise que ça ne bougera pas pour que ça bouge. C'est toujours ainsi. Et c'est le dernier tour de cette première course de la soirée. Et ce sera tout juste pour ne pas prendre un tour pour Toto. Alors, le dernier virage pour Akrapovic, la dernière relance, sauf problème mécanique, je pense que plus rien ne pourra lui arriver. Victoire ce soir de la BMW numéro 5, c'est fait. Victoire d'Akrapovic qui s'impose devant la voiture de Guigui, deuxième. Le podium va être complété par la troisième Mercedes la plus véloce, celle du pilote belge, trois nations différentes sur le podium, ça fait plaisir. Avec la troisième place de McCain qui célèbre ça avec quelques appels de phare. Par contre, derrière la quatrième place, eh bien ça semble entendu puisque le Brass reste là. On va essayer de suivre tout ça en caméra embarquée avec la Volvo. Peut-être dans le dernier virage, une attaque suicide de la part de Marcelli. Ça peut passer. Est-ce que la Volvo peut mieux relancer? On sait que le moteur de la Suédoise est plus à l'aise sur la relance. Attention de ne pas être trop déventé non plus. Quatrième place pour le Brass, ça ne bougera pas, mais la cinquième place va être décidée sur la ligne à la photo finish. Il passe côte à côte sous notre cabine, est-ce que ça va passer pour Marcelli? Oui, sur la ligne, Marcelli qui place la Volvo cinquième, mais pour un fifrelin devant la voiture du pilote corse. Derrière, Yak termine septième après une belle résistance. Malgré tout, Binamé termine 8ème, la 9ème place pour Veneno. Et attention, parce que là, la 10ème place, c'est pas joué non plus. Voilà, la 9 et 10ème place pour Veneno et Gros Filou. Ça a été serré là, de ce côté-là. On n'a pas trop suivi la bagarre. On attend Holden. Le classement est très provisoire. Suite à certaines actions en piste, et des pénalités seront données pour le prochain meeting, nous annonce la direction de course. Donc on va rester attentif à ça. On se doute que Marcelli, qui a poussé, été poussé notamment, risque de se voir
Les doigts claqués par la direction de course. Jefferson Baguizan qui termine avec la moins bien classée des Mercedes, mais ça n'enlève rien au fait qu'il soit arrivé au bout tout de même. Et ensuite Toto qui termine 14e. Et bon, et dernier à noter, le retrait de la BMW 2. Notre ami Goncalves, et je crois que la voiture de Zoltan a également été retirée. Francky qui doit fumer effectivement sur le classement final de cette course que vous découvrez justement avec donc Akrapovic vainqueur avec un tour le plus rapide en 1:42.2. Donc regardez, nous sommes que 7 à 8 dixièmes derrière les chronos de la qualification devant Guigui et McCain. On va se retrouver d'ici quelques instants pour l'interview de ces trois pilotes. La première ligne sera complétée par Yak qui sera donc aux côtés de Binamé. Pardon pour cette petite approximation. Donc Binamé qui sera en pôle avec la Mercedes pour la deuxième manche devant Yak, Francky et Marcelli qui vont avoir quelques comptes à régler, je pense. Le Brass qui termine finalement quatrième. Belle performance du pilote de la Game Motorsport. Et derrière, eh bien, le trio infernal de ce championnat, on va l'appeler ainsi, avec évidemment McCain et ses petits camarades Akrapovic et Guigui. Voilà, Guigui, McCain et Akrapovic, les trois premiers de ce meeting. On marque une petite pause et on se retrouve tout de suite pour vivre le podium avec les trois principaux intéressés. À tout de suite. Et nous sommes de retour en cabine avec eh bien, les pilotes qui ont composé le podium de cette première course de la soirée. Bonsoir, rebonsoir messieurs. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, on va procéder comme à l'habitude dans l'ordre inverse des choses. Évidemment, on va commencer par le troisième, McCain, leader de ce championnat, pour un petit point avant le début de ce troisième meeting. Bonsoir McCain. Bonsoir. Alors, une course qui aura été plutôt calme de ton côté, en tout cas pour vous trois messieurs, ça a été quelque chose d'assez tranquille comparé à ce qu'on a pu voir derrière où ça a été la foire d'empoigne. Est-ce que tu peux nous raconter ton vécu sur cette première course de la soirée? Au départ, enfin classé quatrième, je savais que je serais quatrième parce que Marcelli, Guigui et Akra sont quand même vachement plus rapides. Alors, un bon départ, Akra et Guigui sont bien partis aussi, j'ai réussi à passer Marcelli. Puis j'ai vu qu'après quelques virages, il avait été pris dans un incident, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc à partir de là, Akra et Guigui sont partis comme des fusées. Donc j'ai essayé de gérer ce que je pouvais, j'ai vu que notre ami arrivait à remonter. Il remontait derrière moi, il avait 2 secondes à prendre autour, donc j'étais quand même encore assez large. Et puis j'ai vu qu'ils ont continué à se bastonner tous les trois. Donc j'ai terminé la course tranquillement. Donc très content d'être sur le podium. Donc effectivement, pour l'instant, un week-end qui commence bien avec eh bien, les points de la troisième place qui viennent de tomber dans ton escarcelle. On espère une deuxième course, allez, on va dire un petit peu plus animée, même si la première a tenu toutes ses promesses pour toi. Remonter, ça devrait aller sur cette piste où il y a pas mal d'opportunités de dépassement. Non, c'est pas évident de dépasser, surtout qu'il y a des grosses différences de trajectoire et de poids de freinage en fonction des voitures. C'est pas évident à gérer. On a vu que Marcelli s'est un petit peu cassé les dents là, sur Francky et Oli. Pourtant, il avait le potentiel pour gagner. Mais du coup, il va falloir tenir les deux fauves derrière, ne pas laisser partir Marcelli, remonter les gens un petit peu plus lent, ça va pas être évident. Mais j'espère, avec 4 ou 5, ce serait bien. Un podium, ce serait génial, mais bon, je rêve pas de trop. En tout cas, il y a des gens qui ont des comptes à régler, on ne les a pas en cabine, mais notamment Marcelli, Francky, Yak. Je pense que la deuxième course va être intéressante à suivre pour ces trois pilotes, parce qu'il y a eu du contact. C'était viril, mais correct, mais c'est du touring car, quoi. Ils ont bien donné, comme on dit. J'ai vu que ça changeait beaucoup les positions. Oui, il y a eu pas mal de changements. Écoute, McCain, merci pour ton intervention, et on espère que le mieux pour toi dans cette deuxième manche. Merci. Merci. On passe maintenant à Guigui, le poleman, on le rappelle, qui était tout à l'heure en 1:41.456, je crois.
qui termine deuxième. Alors, comme il l'avait annoncé avant la course, un départ compliqué et ensuite un rythme que tu as pu tenir assez facilement. Mais bon, à Krapovic, c'était plus rapide. Raconte-moi un peu comment tu as vécu cette première course de la soirée. Ah ouais, comme tu vois, moi, c'était pour moi le meilleur départ de ma vie sur Restroom. L'entraînement a donc payé. Ah, j'aurais pu faire mieux. Mais non, sinon, Accra a eu un meilleur départ que moi et a fait le bon choix de se mettre à l'intérieur au premier pour avoir ensuite le reste de la course. Et sinon, tout allait bien. Les pneus ont usé un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et j'ai aussi remarqué que j'avais beaucoup, beaucoup trop de litres d'essence. Ah, donc tu avais une voiture plus lourde, ça expliquerait le fait que tu n'aies pas pu profiter de l'aspiration, parce que tu étais longtemps, du moins pendant la première moitié d'épreuve, assez proche d'Acres. Est-ce que tu penses que sans, on va dire, ce poids supplémentaire, tu aurais pu revenir et tenter ta chance pour gagner? Bah, avoir le même litre d'essence qu'Acra, je me mettrais ma main, je sais pas où, Vous? Oh, j'avais pour 77 dire. litres au départ. Ah, mais en tout cas, je suis bien, bien content de ma deuxième position et je crois que ce serait très difficile pour la deuxième. De survivre déjà au départ. Ah, c'est pas dépassable dans ce circuit. D'accord. Donc on pensait finalement, on pensait que le nombre de trajectoires assez variées, notamment dans le deuxième secteur, pouvait créer des opportunités de dépassement. Et vous avez, je pense, beaucoup plus, non pas peur, mais de crainte de voir une course ruinée à cause justement de ces nombreuses trajectoires et de ces peu nombreux finalement points de dépassement, même si on sait que la chicane est un point apprécié. En tout cas, on l'a vu en première course pour tenter des menaces et des manœuvres d'intimidation, mais c'est toujours compliqué de passer. Bah écoute, Guigui, on te souhaite de survivre cette deuxième manche et de ramener pas mal de points. En tout cas, déjà prends un bon départ. C'est tout ce qu'on te souhaite. Ça, je pense que ce serait déjà 50% du travail fait, je pense, pour toi. Ah ben je suis déjà en train de fêter. Patiente quand même la fin de la deuxième épreuve pour ne pas conduire sous l'emprise de l'alcool, puisqu'on sait que dans ton magnifique pays qui est le Québec, eh bien on aime bien boire et conduire. Tu en parleras à Binam. Oui, je sais que, bah oui, puisque les garçons commencent à se connaître, évidemment. Il y a de l'expérience sur circuit, on vous en parlera peut-être sur la page. Allez voir d'ailleurs sur la page Facebook SCTC by PLM, il y a des photos plutôt intéressantes, notamment des 24 heures de Spa Francorchamps. On espère te voir l'année prochaine. Bref, passons sur ces détails. Merci Guigui et félicitations encore pour ta première course et bonne chance pour la seconde. Merci. On passe à Krapovic, que l'on n'a pas encore entendu non plus ce soir, qui était passé pour une petite demi-seconde à côté de la pole position. Et finalement, bah, une première course qui s'est bien déroulée, un meilleur départ que ton adversaire direct ce soir. Et je pense, au vu des calculs avec la troisième place de McCain, peut-être la reprise de la tête du championnat. À voir, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de résultats qui sont suspendus, nous a annoncé la direction de course. Ouais, c'est vrai que j'ai des soucis aussi de départ, moi, un peu comme Guigui. J'étais un peu inquiet au vu de son chrono en qualification, mais apparemment, il a un très bon setup qualif avec peu d'essence. Il roule une demi-seconde plus vite que moi. Par contre, avec le plein, on arrive à se tenir à peu près dans le même rythme. Et ouais, j'ai pu faire la différence au niveau du départ. Après, c'était quand même. Tu disais que c'était tranquille, mais il fallait quand même. Enfin, je pouvais pas aller plus vite que ça. Là, je pense que j'étais à fond. Alors On oui, verra ce je que ça va disais que donner. c'était tranquille, en tout cas à première vue l'écart était stabilisé, tu semblais être maître de ce que tu faisais en piste, tu ne semblais pas fébrile en tout cas dans tes trajectoires, etc. On sentait que tu étais très concentré et que tu gérais l'écart, mais effectivement tu nous as eh bien, confié que tu ne pouvais pas aller plus vite, mais tu vas déjà, je pense, très vite, et ce qui est une bonne chose. Donc une première course, donc pas si tranquille que ça, tu nous l'as dit. Est-ce que la deuxième s'annonce aussi tremblante au niveau des miches que la première, avec un départ eh bien pour toi eh bien derrière pour le coup.
Ouais, encore un départ à gérer. C'est vrai qu'avec Guigui, on a un peu peut-être le setup qui est pas très bien pour les départs, mais enfin, on va essayer de faire au mieux. Et puis voilà, 10e place après devant. Bon, c'est vrai que il y aura les quatre, enfin les quatre premiers qui sont assez rapides. Et puis on va faire la course, hein. Bah écoute, en tout cas, on va pas vous déranger plus longtemps, messieurs. Merci, Ouais. Akra, pour ces quelques mots. On vous laisse vous reconcentrer, c'est important, et on vous souhaite une bonne chance à vous pour mais à partir du milieu du peloton dans cette deuxième épreuve ici à Zandvoort. Merci, messieurs. Merci. Merci. Salut. On a remis nos amis dans leur TeamSpeak respectif. Un petit rappel des résultats de la première manche avec donc la victoire d'Akrapovic sur Mercedes devant Guigui sur Mercedes. Et troisième, une Mercedes évidemment. Le triplé gagnant, c'était la marque à l'étoile avec McCain, le pilote belge. Et quatrième place pour Le Bras. Cinquième, Martzeli. Sixième, Francky au prix d'une arrivée très serrée. Sur mon tableau, je vois quelque chose comme 16 centièmes de seconde d'écart, donc de quoi être revanchard pour le pilote corse. 7e place pour Yak, 8e place pour Binamé, 9e place la première BMW Série 6, celle de Veneno. Filou complète le top 10 avec une E30 groupe A. Sosoy 11e, Holden 12e et Jefferson 13e. 14e place pour Toto. Et on annonce l'abandon des deux autres Audi, celle de Zoltan et de Yann Goncalves. On marque une petite pause et on se retrouve tout de suite pour vivre la deuxième épreuve de ce soir. A tout de suite, restez connectés, restez patients et le chat est là, vous êtes nombreux. Et donc, à tout de suite. De retour pour vivre le warm-up. On n'est pas encore dans cette deuxième course, mais nous sommes dans une séance eh bien pour remettre les voitures à neuf, de refaire un peu les niveaux, on va dire ça comme ça,
où les pilotes retrouvent une voiture en état de rouler, et surtout une voiture avec du poids, puisque le comportement évolue au fur et à mesure des courses. Alors, pour ceux qui se posent la question, évidemment, nous sommes très heureux pour Stoffel Vandoorne, qui pilotera l'an prochain chez McLaren. Si vous n'avez pas vu l'information, c'est que vous étiez dans une grotte ces 5 dernières heures, mais oui, l'ami Stoffel sera aux côtés de Fernand l'année prochaine chez McLaren, et on en est très heureux. D'ailleurs, vous pouvez suivre sur la chaîne Max Full Pilot les premières années de Stoffel chez McLaren. Alors, on est en séance de warm-up. Qu'est-ce que donc que cela-t-il donc? Eh bien, en fait, cette séance consiste, comme je vous le disais, à récupérer une voiture neuve en pleine possession de ses moyens et avec surtout peut-être un petit peu de poids pour retrouver le comportement d'une voiture en début de course. On vous a dit qu'il y avait plus de 70 litres d'essence dans cette voiture qui se brûle tout au long de la course, et ça devrait être assez intéressant de voir comment les pilotes qui partent et derrière vont pouvoir remonter. On sait que c'est la particularité de ces courses Touring Car, c'est que les courses 2, c'est toujours intéressant, parce que les pilotes les plus lents, ou en tout cas de milieu de tableau, se retrouvent en tête pour démarrer, et ne fût-ce qu'au niveau des départs, ça peut parfois être quelque chose d'assez sport. On est en train de faire quelques vérifications du côté de la direction de course, et vous avez vu et vous avez entendu surtout les différents messages de la direction de course qui, depuis le début, nous disent qu'il va y avoir des sanctions, tout simplement. Que certains ont eu la bonne idée de pousser leurs petits camarades. Pour information, ce qui se passe en piste n'est pas vraiment, on va vous l'avouer, le plus intéressant en ce moment, même si c'est toujours intéressant d'avoir le dessus mentalement avec ces voitures qui sont pas si simples que ça à piloter, vous l'avez vu. Alors, on attend beaucoup d'un pilote, en tout cas personnellement j'attends beaucoup de Veneno qui partira loin, mais qui pourrait peut-être aller rechercher quelque chose de tout à fait correct en fin d'épreuve, et entre son manque de chance de début de saison, ses problèmes de connexion, etc., le jeune pilote de 15 ans, je crois maintenant, devra faire fort. Un petit mot quand même pour le pilote de la safety car qui s'entraîne également. On salue Andy qui ce soir gère seul l'organisation avec Dimi, notre génie de l'informatique qui nous met en place ses courses en compagnie normalement de Max PLM Docteur qui n'est pas là ce soir pour cause de VLN. Mais il est excusé, et preuve que ce championnat tourne bien, c'est que seul, ses sous-fifres et ses sbires fonctionnent aussi très bien. Donc voilà, Max qui tient d'une main de maître ce championnat, mais qui, s'il faut passer la main, peut compter sur des passionnés et des gens qui font ça avec tout le sérieux que l'on espère, même si parfois c'est un petit peu stressant, on va pas vous mentir. Ça marche ce championnat. Vous pouvez bien évidemment prendre part à ce championnat. Il vous suffit tout simplement de vous rendre sur la page sur Facebook BMW SCTC by PLM. Vous pouvez retrouver directement le lien dans la description de cette vidéo YouTube si vous regardez la VOD. Si pas, tout simplement rendez-vous dans la série de petites touches, de petits boutons qui sont en dessous sur le live Twitch. Twitch d'ailleurs, parlons-en, vous êtes désormais plus de 2000 à avoir rejoint la page Max Full Pilot, et on vous en remercie du fond du cœur. Merci pour votre présence et votre fidélité au fil de ces mois et presque maintenant de ces années. On commence tout petit et on a une passion et on essaie de grandir, et ça marche pour l'instant. Cette passion, vous répondez très nombreux, vous êtes une soixantaine ce soir. On a eu des pics avec plus de 3, 4, jusqu'à je pense 500 viewers à une époque de certaines courses, mais ne vous inquiétez pas, l'année prochaine ne sera pas vaine, puisque vous aurez déjà place à un tout nouveau championnat organisé par la FFSCA qui reprendra un mode fraîchement sorti il y a quelques heures de cela avec les toutes dernières générations de GT3, si je ne dis pas de bêtises, de GTE, pardon, pas de GT3. De GTE avec les BMW M6, les Huracan et autres 488. De quoi faire plaisir, mais tout cela ce sera à partir de la saison prochaine. Vous retrouverez d'ici quelques semaines, voire quelques jours, la Porsche Super Cup de la FFSCA, ainsi que la
La saison de GTE Series, pardon. Là, la direction de course me parle. Début de la course dans 2 minutes. Effectivement, vous avez le temps de practice qui est en haut. Et une fois que cette session sera terminée, eh bien, ce sera la course qui débutera. Et on suivra donc une grille inversée avec une formation de grille que vous allez voir est assez intéressante. Pas de départ lancé, on vient se reformer. Ensuite, il y a un décompte nommé dans le casque par tous les pilotes munis de ce dernier doivent l'entendre. Par le responsable de la direction de course et tous les pilotes munis d'un casque, pardon, doivent l'entendre. Comme ça, il n'y a pas d'avantage ni de lag ni de latence et tout le monde part avec un chrono défini. Ça permet également de corriger les éventuels jump start. On est avec une des BMW. On va montrer les voitures qui n'ont pas été montrées beaucoup dans cette soirée, notamment la. Il y a un souci sur cette voiture. Voilà, ça s'arrête pour l'Opel Omega. Et les Audi, ouais, et on s'amuse, vous le voyez dans session de practice. On finit les pneumatiques comme l'on peut et tout le monde est en train tout doucement de rentrer avec la fin de cette séance. D'ici quelques instants, le départ de la deuxième course de la soirée. Ça risque d'être effectivement plutôt animé avec bien des pilotes qui sont chauds, c'est moins que l'on puisse dire, mais qui restent... plutôt à même de ce que demande le règlement. L'énervement qui peut parfois régner. Fin de la séance d'essai libre et la séance de qualification qui débute alors qu'il y a un pilote qui fait une petite marche arrière dans les stands. Vous ne le voyez pas, mais pas que ce soit tout à fait toléré cette affaire. Krapovic, comme ça vous savez tout. Maintenant 5 minutes de séance qualificative mais qui n'auront pas lieu d'être. Un petit fail, je pense, du côté de la direction de course, on va vérifier ça. Mais il y a 4 minutes 40 de qualif qui viennent de se lancer. Petit bug de serveur, ne vous inquiétez pas, ça fait partie des alinéas du direct, comme disait l'autre. Et bah du coup, est-ce qu'on est parti pour ces 5 minutes? Pas sûr, le feu n'est pas encore passé au vert dans la pit lane. On va vous montrer justement cette pit lane, une petite image de ce qui se passe en piste. Vous voyez, la caméra de sécurité qui nous montre que c'est au feu rouge, hein. On ne sort pas. Qui est prêt là, ça doit être Guigui évidemment, très très chaud le pilote québécois. Il veut tester ses départs, c'est l'occasion. Il va en avoir besoin. Et donc, eh bien écoutez, on va patienter encore un petit peu, ça n'est pas grave. N'hésitez pas à vous exprimer sur le chat, c'est l'occasion d'ailleurs d'interagir avec vous si vous avez souhaité. Et donc, pas de soucis, ne vous inquiétez pas, nous sommes bénévoles et on va s'en sortir. La séance de qualification n'aura donc pas d'intérêt. On reste ensemble pendant quelques instants avant de débuter la deuxième course de la soirée. On vous l'a dit avec donc une grille inversée. Ça risque d'être très très chaud. Bah écoutez, je vous propose de marquer une petite pause musicale, l'occasion de remplir les verres et de vider les vessies. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième course de la soirée. Restez connectés, n'hésitez pas à partager ce live sur Twitter et Facebook. Et vous le savez bien, plus on est de fous, plus on rit. Et croyez-moi, je crois que ce soir, cette deuxième course va valoir le coup. A tout de suite.
Alors, navré pour cet instant tympan, hein, mes amis, mais que voulez-vous, ce sont les risques du métier. Je m'attendais pas à ça comme sélection musicale et je ne recommencerai plus, c'est promis. Mais bon, que voulez-vous, c'est parfois un peu l'aléatoire YouTube, c'est ça aussi. Donc, si vous étiez un peu endormi, ça vous a réveillé et c'est pas plus mal, plutôt que de vous endormir, messieurs, en tout cas pour l'heure. La séance de warm-up prolongée organisée par la direction de course vient de se terminer. On va donc pouvoir tout simplement eh bien, passer à la qualification. À la course, pardon. Afin de recevoir pas mal d'informations dans le canal interne de la direction de course. Et voilà, la course qui va démarrer dans moins d'une minute maintenant. Alors on va pouvoir assister à la formation de la grille de départ. De notre côté, ça reste tout propre. 47 secondes avant le début de la session. Voilà, la grille est en train de se former. Vous ne le voyez pas, je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Et on partira donc pour 30 minutes de course. Mais cette fois-ci, il va falloir eh bien, la former, cette grille de départ. Et on compte sur les compétences de la direction de course pour faire ça. Correctement, alors on va demander de calmer un petit peu la publicité sur le chat, les enfants, soyez quand même un peu cool. Alors, le pace car qui vient de passer devant tout le monde, jusque là, ça paraît logique. On va vous montrer un petit peu ce qui se passe sur cette piste de Zandvoort, et vous allez voir que voilà, les pilotes vont être appelés dans l'ordre inverse des résultats, ce qui est toujours quelque chose de... difficile, oui, navré pour la musique, on fera des sélections un peu plus un peu plus tout public, un peu moins jeune et un peu moins boum boum pour les prochaines courses. On est donc parti donc pour cette fois-ci 35 minutes, le temps de former la grille pour avoir environ 30 minutes de course. Vous avez donc le safety car qui évolue et les pilotes qui sont appelés un par un à le rejoindre dans l'ordre inverse donc du résultat de la première course, le... dixième par premier, etc. On arrive à inverser tout simplement la tendance pour la deuxième épreuve, histoire de rajouter un peu de piment et de ne pas favoriser certains pilotes qui se seraient bien sortis dans la première épreuve. C'est pour cela aussi qu'on a de la lutte en deuxième partie de peloton avec les pilotes qui se battent pour récupérer simplement le point de la dixième place en première manche, mais surtout le gain de la pole, ce qui est le cas pour Biname. Se forme derrière le pace car. Alors, on va pouvoir d'ici quelques instants passer en revue cette grille de départ qui va être, à mon avis, assez folklorique avec un Veneno en première ligne qui va, à mon avis, donner tout et même un peu plus. Ça va être très chaud. Je vois la grille qui est en train de se former sous mes yeux et j'avais pas réalisé à quel point ça va nous annoncer du beau. Entre Francky qui doit se remettre de l'échec sur les derniers centimètres de la première manche face à Marzelli, Veneno qui doit s'en remettre aussi, qui doit tenter pourquoi pas d'en gagner une cette saison, ce serait bien. Biname qui n'a jamais été à pareil fait. Filou, ça va être sport en tout cas. Donc on va commencer par... refaire la mise en grille avec donc la pole position du fait de la dixième place de Philou. La deuxième place de cette grille de départ sera pour la BMW 635 de Veneno, très facilement reconnaissable à ses couleurs. Biname, première Mercedes, on va voir comment les voitures à l'étoile remontent dans cette deuxième course. Yak qui avait terminé, je crois, effectivement de la première course, qui lui partira donc quatrième. La cinquième place pour Francky. La sixième pour la seule Volvo engagée, on vous le rappelle. La BMW de Lebras qui a finalement tenu la quatrième place partira quant à elle septième. La huitième place pour McCain qui doit faire partie des pilotes qui vont devoir remonter tout comme Guigui avec sa Mercedes. Et enfin, la voiture du pilote français Akrapovic qui doit également remonter. Il partira lui dixième devant la M3 Groupa de Sosoy. On suit ensuite la voiture d'Holden, seule Opel encore engagée depuis le transfert de Sosoy qui a quitté la marque à l'éclair. La 12e place pour Jefferson Baguizan qui n'a toujours pas marqué de point
ce week-end et qui pourrait faire quelque chose, pourquoi pas, avec la Mercedes qu'on sait très véloce et les voitures autour de lui, pourquoi pas. Ça pourrait bouger. Ensuite, l'Audi de Toto Breton. C'est la 15e place qu'occupera Yann Goncalves. Et enfin, Zoltán conclura cette grille de départ qui est en train de prendre forme. Alors, les appels de phare de Veneno signifient que le garçon est très chaud. Hein, ça va vous donner un petit peu une idée du départ qu'on va avoir. Je pense que vous devez être proche du bouton pour régler le volume de vos enceintes parce que là, on va sûrement monter les décibels dans ces premiers hectomètres. Ça risque d'être chaud. Vous voyez que les dernières voitures sont en train de chauffer justement leurs pneumatiques. Oh là, on est allé un petit peu trop loin là au niveau des lignes de la grille de départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on aurait un petit peu été au-delà de la limite? Alors, tout se passe bien pour l'instant. Du moins, ça a l'air. La direction de course n'informe de rien. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Ça se forme tout doucement. Et on va pouvoir partir d'ici quelques instants. Et bien voilà, la grille est formée. On a beaucoup décalé du côté de Francky. On sent qu'on ne va rien laisser passer. L'extinction des feux dans quelques secondes. Et on va partir pour la deuxième manche de cette soirée, la 6e course de la saison ici à Zandvoort. La pole position, on le rappelle, pour Philou et sa BMW qui va avoir du mal, je pense, de résister à la puissante 635. Et c'est parti. Et mauvais départ des deux pilotes en première ligne. Et on a dû aller dans l'herbe pour l'une des Opel Ola. Et on voit Marcelli déjà dans l'herbe. Francky qui a pris un excellent départ. Veneno qui s'est fait totalement fermer. On voit le Brass également qui freine tard. Une des Mercedes, ça va pas toucher. Si, ça passe pas là pour les Mercedes. La voiture numéro 11 qui part en dérive. Ça tient pour le coup. Et là, ça va pas passer pour tout le monde. Devant, il y a des Audi derrière en perdition. Devant, ça passe bien avec donc Biname qui est en tête. On voit que Veneno a complètement loupé son départ. Et ça va commencer à clignoter pour Veneno. Et il y a des voitures qui ont perdu du temps là. On voit surtout Marcelli qui n'était pas à son affaire. Oh, le contact énorme avec la voiture qui a sauté complètement, la BMW. Et quel dommage pour la voiture qui est en train de perdre des positions. La voiture de Veneno encore en proie à des soucis de connexion. Mais quel départ derrière de Biname qui s'est très bien extrait de la grille de départ. Le poleman Philou est déjà 11e malheureusement et au contact ici avec ce seuil. L'explication qui fait mal devant en tête avec pourquoi pas déjà Yak qui pourrait reprendre son dû. Oh là là, et le contact est Francky en tête à queue. Est-ce qu'il peut tenir sa BMW, le Corse? Oui, il y a des voitures dans tous les côtés. On est à 3 de front pour arriver à la chicane. Oh, ça va toucher. Alors que devant la tête pour Yak, maintenant devant Biname et McCain. Ouais, Francky, ça touche. C'est pas le seul derrière. On voit Krapovic qui est en tête à queue et poussé par Marcelli. L'accident, et c'est un coup de grâce que vient de porter l'autre BMW. Et il est tombé hors piste là, donc c'est course terminée. Pour Akrapovic, quel désastre pour le leader du championnat qui a été mis au-delà des Armco de ce circuit par Marcelli. Je crois que la direction de course ne va pas laisser passer la manœuvre. En tout cas, le classement à l'issue du premier tour est chamboulé avec Yak, Biname, McCain, Veneno, Francky, Le Brass, Guigui et Marcelli. Alors que Veneno est en train de bouchonner un petit peu. Oh, et le tête à queue pour Biname! Biname en tête à queue, malheureusement la Mercedes qui a été envoyée dans le rail à la sortie de l'épingle de Tarzan. Ah oui, c'est musclé, hein, vous l'avez dit. Il va y avoir de l'explication derrière, on a la Volvo qui est un petit peu en train de donner aussi de tous les côtés. Et elle passe Guigui je crois, avec Guigui maintenant la Mercedes qui s'est laissée dépasser. Eh bien il s'en passe des choses dans cette deuxième épreuve et on n'est qu'au deuxième tour, rendez-vous compte. Alors là, oui, effectivement, c'est assez le choc sur le chat avec ce qui s'est passé. C'est pas terminé avec la Mercedes qui place l'intérieur sur la Volvo. Non, ça ne passera pas. En tout cas, la chute incroyable au classement de Philou. Mais il est remonté, il est tombé 11-12e, il est là 8e. Donc ça va, ça se passe bien pour Philou qui peut quand même tenter de remonter le contact avec la Volvo. Bon, il n'est pas tendre, hein, Guigui, avec Marcelli. Je pensais que c'était plus Francky qui allait régler ses comptes. Francky justement le voilà devant l'attaque peut-être avec Yak qui reprend la tête à McCain. Il y a une grosse lutte au commandement de cette course. Et McCain qui va peut-être prendre la tête du championnat. Les pneus peut-être. Non, Yak qui résiste au dernier moment et ne glisse pas dans les pneus. C'était très serré. On est avec Veneno maintenant.
il glisse beaucoup. Et on va conclure un nouveau tour ici, mais c'est pas terminé, loin de là dans cette deuxième épreuve. Et quel départ de McCain, hein, qui se retrouve en tête, qui espérait faire un deuxième podium ce soir. Rendez-vous compte, le garçon est en tête de cette deuxième manche. Et derrière lui, il y a un pilote qui est en difficulté. C'est Yak qui a tenté sa chance, mais qui finalement a dû se raviser et reste deuxième. Quelle course ici à Zandvoort. Et il y a des voitures qui ne vont pas arriver au bout, je vous le dis, parce que là, et la grosse information, c'est McCain. Hein. C'est McCain qui est parti tout simplement en tête. Incroyable, alors qu'il partait, je crois, au 9e rang, terminant deuxième, troisième de la première épreuve, donc il partait 8e, autant pour moi. Mais c'était quelque chose d'assez mouvementé, ce début d'épreuve. Alors, il y a des écarts qui sont un peu serrés. La voiture à 3 dixièmes de seconde les unes des autres. Pour changer, Francky est dedans, le pilote corse. Ah, il le veut, son podium, Francky. Il va l'avoir peut-être ce soir. Et bonne tenue des BMW M3, qu'on pensait peut-être en train de... de souffrir face aux Mercedes. Pour l'instant, c'est une Mercedes en tête, mais ensuite c'est une pluie de BMW qui entoure la Volvo de Marzelli. Et Guigui, 7e, qui n'a pas pris donc un excellent départ, mais qui reste correct comparé à ce qu'a fait McCain, hein, qui s'est totalement là, envolé sur la stratosphère face à ses petits copains. Alors, le freinage toujours en tête, McCain, est-ce que ça peut porter une attaque du côté du pilote corse? On va vivre ça du tableau de bord de la voiture verte. Même de la voiture qui le suit, voilà. Oh, ça s'est loupé. Ça s'est loupé. Est-ce que Marzelli peut revenir sur le Brass? Bon, le Brass est allé un petit peu au-delà des limites de la piste. Là, attention, parce que derrière, il y en a un autre qui klaxonne, c'est Guigui. Et on sait que Guigui est très chaud avec Marzelli. On a une limite, regardez, ils sont à la corde véritablement là. C'est très tendu. Alors, les changements de position peut-être ici avec l'attaque de Marzelli sur Yak. Pas de défense possible. Non, c'est le Brass, autant pour moi, pardon. Bon, est-ce qu'il va perdre deux positions? Le contact, Guigui qui pousse, hein. Guigui qui fait la place, il ouvre la porte, là, si vous ne le laissez pas passer, il va trouver lui-même l'ouverture. Hein. À l'instar d'un Ayrton Senna ou de Maldonado, il va y aller. Alors, devant, la lutte entre les Bavaroises, avec toujours Francky, qui cherche l'ouverture. Alors, c'est très intéressant, parce que je pense que c'est le doyen et le Benjamin qui se battent, là, pour cette troisième place sur le podium. Marzelli, une quinzaine d'années, et Francky, une d'années. C'est assez intéressant. Et oui, ça glisse beaucoup. On nous dit sur le chat, effectivement, ces tous Ricard sont pilotés sans assistance. Comme à la belle époque. Et évidemment, eh bien, les conséquences sont les suivantes. C'est que ça glisse. Allez. En fin de peloton, si l'on peut dire, en tout cas au-delà du top 10, eh bien, ça continue de se battre également. Avec ici Sosoy et Binamé qui a été aussi poussé depuis la tête de course. Les Audi ferment la marche. Devant Francky, toujours à la lutte pour espérer un podium. Allez, la chicane. Et c'est Marzelli. On va embarquer avec la Volvo. Vous profitez du son de la Suédoise. Absolument superbe en caméra embarquée. La Volvo qui se présente dans la courbe de Tarzan, est-ce que ça va suffire? Et non, par contre derrière ça suffit pour Guigui qui s'empare de la 6ème place au détriment de Le Brass qui glisse depuis le début de cette épreuve. Et là c'est Guigui qui a fait une belle dérobade, contrôlé évidemment. Et donc après vérification et investigation pardon, auprès de la direction de course, Akrapovic n'a pas été poussé au-delà des limites de la barrière. C'est une déconnexion dont a souffert ce pilote malheureusement. Des choses que l'on déplore encore de temps à autre. Alors, en parlant de déconnexion, ce serait dommage que ça arrive à l'un de ces garçons-là parce qu'ils sont très très chauds. Alors, beaucoup avaient boudé cette Volvo, la trouvant difficile et peu facile à manier. Et vous voyez, quand on sait s'en tirer avec cette voiture, elle peut faire des merveilles. Et elle est très véloce avec son moteur turbo, l'une des plus puissantes, je crois, en termes de moteur pur. La 242 turbo. Alors, est-ce que ça peut relancer un petit peu mieux? Ah ouais, j'ai une petite extinction de voix, je suis vraiment navré pour cela.
Alors de l'autre côté, on vérifie que tout se passe bien au niveau du canal interne. Pas d'informations pour l'instant, ça reste statu quo. Donc on confirme la déconnexion. Et Dakrapovic, oh là là, Francky, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Les appels de phare. À bord de la BMW série 3, à la chasse. Oh, ça sort large pour la voiture de Veneno qui va céder une, deux. Oh, et le mur pour Veneno! Est-ce que ce ne serait pas une déconnexion? Si, navré pour ça. Décidément, il nous a fait la blague plusieurs fois. Oh, et écoutez, ça va passer là. Ça va passer. Est-ce que Veneno va se faire dépasser? Ah, ça doit être dur de doubler une voiture qui lag. Par contre, devant, ça ne lag pas et ça passe pour Francky et Veneno. Derrière, c'est plus compliqué, pardon, pour Francky et Marcelli. Veneno et qui cède sa place à Guigui qui remonte dans le top 5. Belle remontée du pilote québécois. Oh, la portière qui a souffert là du côté de la 635, évidemment. En tête, c'est très, très, très serré hein, pour la troisième place. Regardez ce qui se passe. Le podium est pas fait, hein, loin de là. Oh là là, Veneno qui doit être dans un état fou furieux. Alors, Francky, Marcelli, non pas Jacques Lafitte, mais Guigui, et ensuite Veneno. Et là, il suffit d'un petit contact entre les deux voitures. Il y en a un qui termine sa course dans le bac à gravier. Et je pense que ça ferait rire aucun des deux pilotes, puisque la direction de course veille au grain. On rappelle que les décisions seront exceptionnellement prises en post-course cette fois-ci. À 22h45, merci de nous avoir rejoints et vous êtes eh bien voilà, au tiers de l'épreuve. Il reste 20 minutes de compétition ce soir. On devrait terminer la soirée aux alentours de 23h. Parfait pour ensuite aller vous amuser sur les serveurs de Race Room. Excellent jeu. Il nous accueille depuis le début de la saison sans trop de problèmes. On salue l'équipe de Race Room évidemment qui est assez attentive à ce qui se passe avec ce championnat. Que ce soit sur Twitter ou encore en nous hostant. Ça a déjà arrivé par le passé d'être diffusé sur la chaîne de Race Room. Et on les remercie puisqu'on fait ça avec nous, ben, notre petit budget. Et parfois, eh bien, on fait de belles choses. En tout cas, c'est vous qui nous le dites et on en est très fiers. Des belles choses sont faites aussi en piste par certains pilotes. La voiture 25, par exemple, celle de Sosoy, qui revient tout doucement sur la grosse 635, numéro 60, couleur bien célèbre, marque d'huile française, s'il vous plaît. Alors, à l'aspiration, là, il est blotti derrière un ours, hein, littéralement. Est-ce que Sosoy peut aller faire les freins? Eh non, il n'est pas assez à l'aise. On est devant. Ça peut-être bouger. On retrouve le peloton de tête avec donc la commande, comme diraient nos amis québécois, pour McCain qui mène cette épreuve devant Yak deuxième. Mais pour combien de temps? Parce que là, la 2, 3, 4 et 5e place, ça va bouger dans pas longtemps, je pense, parce que là, Guigui risque de dépasser Francky. Mais est-ce que Yak va se laisser faire? Je pense pas que ce sera aussi facile de doubler Yak, qui, on l'a vu déjà ce soir, arrive à bien résister à ses adversaires sur cette piste de Zandvoort, où il y a pourtant beaucoup de trajectoires. Donc les pilotes nous disaient en interview que ça n'allait pas être facile avec le nombre de trajectoires pour dépasser. La preuve encore ici avec un Guigui qu'on pensait être battu à la seconde par la Volvo, mais finalement il reste devant. On va embarquer d'ailleurs de nouveau, puisqu'on aime bien cette voiture, avec la Volvo. Voilà, deux Marcelli qui va pourquoi pas porter une attaque au freinage. Non, ça ne passera pas. Par contre devant Francky, il est chaud. Hein. Allez, avec la BMW aux couleurs... Faites des petits bonbons. Allez, on vous fait vivre quelques instants avec le bruit du moteur de cette voiture. C'est belle en caméra embarquée pour la deuxième place. Ils vont freiner côte à côte dans la courbe de Tarzan. Et c'est Francky qui va se faire avoir. Et c'est Guigui qui va tirer les marrons du feu. Troisième place pour le pilote québécois. Derrière Veneno qui est très chaud avec le bras aussi. Mais ici c'est la brochette, le club des quatre. Là, les quatre mousquetaires. Non, c'est le club des cinq, mais bon, c'est pas grave. Les quatre mousquetaires qui sont là en train de nous donner une bagarre absolument superbe. Alors, la Volvo à l'aspiration, ça peut passer. Donc Guigui qui a réussi à trouver l'ouverture. Marcelli, c'est une question de seconde, je pense. Et pendant ce temps-là, Yak reste devant et prend quelques dixièmes d'avance. L'arrivée de la modération sur le chat. Salut Thébano. Merci pour la présence, comme d'habitude. Alors qu'on est proche de la mi-course. Hein. D'ici moins de 2 minutes, on sera dans les 15 dernières minutes de cette deuxième épreuve de la soirée. Et il s'en est déjà passé des choses à Zandvoort. Ça vaudra le coup de nous suivre pour les prochaines épreuves. Si vous voulez nous rejoindre, pas de problème. Suivez la chaîne Twitch Maxou Pilote et... Et dès qu'un live se lance, activez la petite notification et vous ne manquerez plus aucune de ces épreuves.
rendez-vous déjà, je pense, mercredi prochain avec la FFSCA. En tout cas, il n'y a que à chaud aux fesses, c'est le moins que l'on puisse dire, passez-moi l'expression, avec voilà, la voiture de Guigui. Oh, le freinage très approximatif derrière. Est-ce que Veneno va pouvoir défendre face à Lebras? Oui, ça se passe aussi. Moins d'une seconde avec la voiture de Lebras avec qui on embarque maintenant. Vous voyez dans le fond d'image qu'il y a une autre lutte, mais c'est toujours dans le classement. Est-ce que Veneno va pouvoir déboîter? Je pense que oui, à la Coupe de Targon, on va aller voir ça juste après. Parce qu'on sait que Veneno, voilà, ici n'est pas à son aise et la BMW de Lebras pourrait prendre un certain avantage. Ça ne bougera pas. Devant, par contre, ça bouge. Avec Francky qui doit fermer la trajectoire. Il se place à l'intérieur, mais ça n'est pas suffisant. Le bloc de la Volvo résiste, mais au freinage, est-ce que ça va tenir pour Francky? Et oui, il reste devant. Beau freinage de la part du pilote corse. Et devant, ça résiste aussi pour Yak, hein, qui est en vrac un petit peu partout, là. Regardez ça, les BMW qui glissent beaucoup plus que leurs homologues. Oh, le petit push de Guigui qui suffirait à déstabiliser la voiture. Le coup de raquette pour Francky. Est-ce que Veneno... Oui, non, c'est passé. C'est passé, mais est-ce que Veneno peut revenir sur ce train-là et nous mettre 5 voitures très proches dans Veneno qui est en train seulement de s'extraire derrière de Lebras. Oh, et Guigui qui tente encore de se placer à l'intérieur. Le tête-à-queue pour la Mercedes. Trop gourmande. Trop gourmande, tout simplement, la Mercedes de Guigui. Que c'est dommage. Eh bien, voilà, il va falloir recommencer la manœuvre. En tout cas, c'est passé pour la voiture de Marzelli. Francky qui insiste à l'intérieur. Côte à côte, avantage à la Volvo, ça tourne à gauche. Oh là là, il résiste, Francky, que c'est beau à la relance. La BMW, ils sont côte à côte, c'est superbe ce qu'ils nous offrent, les deux pilotes là. Et Francky qui pourrait reprendre l'avantage au niveau des freins de la chicane du deuxième secteur. Est-ce qu'il peut freiner plus tard? On sait la BMW plus à l'aise. Oui, non, ils sont côte à côte, ils ne lâchent rien. La Volvo va avoir l'avantage. Non, c'est fait. Francky qui glisse et qui profite de la petite erreur, si l'on peut dire, de Marzelli. Pour eh bien récupérer la troisième place. Et tout ça profite d'un pilote, c'est McCain qui tout doucement grappille des secondes. On va aller le voir. Le pilote belge, parti dixième, rendez-vous compte. Parti huitième, pardon, rendez-vous compte. Que là, ça commence à être compliqué pour aller le rechercher. 6 secondes le sépare de cette voiture, celle de Yak. Alors qu'il y a un pilote qui commence à avoir des petits soucis. Je ne sais pas de qui il s'agit. En tout cas, je pense que. Et derrière, c'est aussi la foire d'empoigne, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart avec, voilà, Jefferson, la Mercedes qui était, on va dire, la moins bien classée au départ, qui remonte, en tout cas, qui se bat avec Sosoy. Là, on est en lutte pour des points, hein, je vous rappelle, 9 et 10e place. Effectivement. Et salut Binou. Commentary excellent, merci beaucoup, c'est mon boulot. On essaie de faire ça au mieux. En tout cas, on remonte à une demi-seconde pour la BMW qui aura souffert, hein, des problèmes de connexion. Mais pourquoi pas espérer un top 5 pour le jeune pilote marseillais. On rappelle Veneno, du haut de ses 15 printemps, qui se débrouille pas mal face à certains vétérans qui sont devant. Hein, pour une fois, ça risque de tenir. Mais là, l'explication est très serrée. On a 3 pilotes. On a Marzelli, le français. On a derrière 2 autres pilotes. Attention, attention, est-ce que ça peut passer pour la Volvo? On va rester en caméra embarquée, voilà, avec la BMW de Lebras. On rappelle Lebras qui a terminé 4e de la première course du week-end. Et qui, au profit de la grille inversée, s'en sort bien. Alors, on continue d'évoluer correctement. Ça glisse beaucoup pour la BMW, on sait qu'elle est moins... à l'aise, mais avec en plus le dévantage de la Volvo, ça pourrait être une catastrophe pour Veneno, cette sortie de courbe. Le dernier droit, Veneno qui est chaud, mais derrière la BMW de Lebras qui pourrait faire la différence. Les appels de phare, et oui, on ne perd rien du côté de Veneno pour tenter de montrer qu'on est dans les rétroviseurs de la grosse suédoise. Grosse mais puissante, hein. On rappelle la Volvo qui est la plus lourde sur la balance, mais aussi la plus puissante. Aussi la plus véloce avec ses turbos. Alors on regarde un peu la direction de course. Ouais, ça glisse, ça part fort au large derrière pour Lebras. C'est pas mal. 4 dixièmes, Francky qui remonte. Le podium pour le Québécois, mais c'est pas fini. Bien malin qui nous donnera le top 3. Bon, McCain avec plus de 7 secondes maintenant d'avance sur ses petits camarades, ça semble entendu. La messe est dite. Par contre, pour le reste du podium, vous avez dans la même image Yak, Francky et
la Mercedes de Guigui, qui, on le rappelle, faisait partie des pilotes qui partaient proche du top 10 avec la grille inversée. Et là, vous voyez la différence de trajectoire. Oh, Francky, là, c'est beaucoup trop, là. L'ouverture de portière. Il a ouvert la voiture en deux, Francky, malheureusement. La porte était ouverte, mais regardez, c'est peut-être Guigui qui va tirer les marrons du feu parce que Francky est au large. On va passer sur la vue globale. Ah là là, et Francky qui vient de perdre la deuxième place au profit de Yak qui défend très bien. Oh là, on va freiner à l'intérieur pour la voiture du pilote corse qui défend cher sa peau dans cette deuxième épreuve. On rappelle qu'il a perdu la cinquième place sur la ligne face à Martelli dans la première épreuve. Martelli, il est derrière, hein, il pilote la Volvo. La voiture de Guigui, plus puissante peut-être. À la relance avec l'aspiration. Ils sortent de la dernière courbe. Très important de bien en sortir. Et il est proche, Guigui. Est-ce que le pilote qui a réalisé la seule pole qu'il y avait à réaliser ce soir en 1:45.5 va pouvoir aller chercher, pourquoi pas, un deuxième podium ce soir. On rappelle les résultats de la première course avec la victoire d'Akrapovic devant Guigui et McCain. McCain qui va peut-être faire encore très fort ce soir. Le leader du championnat qui se retrouverait avec encore quelques points d'avance sur Akrapovic qui, on le rappelle, a été éliminé en tout début d'épreuve suite à un accident et une déconnexion. C'est peut-être de trop pour Francky. Non, il parvient à maîtriser la glissade de sa bavaroise alors que derrière on a vu que Marcelli était également en proie à beaucoup de survirages. Les écarts pour l'instant en piste, les pilotes sont séparés de plusieurs secondes. Les seuls qui sont en moins d'une seconde, c'est ceux que vous avez à l'image. Francky, le Corse 3ème, Guigui, le Québécois 4ème et la 5ème place pour Marcelli. La direction de course qui nous indique que tout se passe bien. Bien, merci à la direction de course pour ces informations. En tout cas, c'est très très serré. Ils sont dans la même seconde là et le retour de Martelli, évidemment, puisque tout comme en première épreuve, ça résiste du côté de Yak, la BMW qui fait bien le café pour résister à ses adversaires. Oh là là, ça va pas résister longtemps malheureusement. Je crains que Francky va devoir céder la troisième marche du podium à Guigui, très décidé d'attaquer, pourquoi pas à l'extérieur la Mercedes pour croiser la trajectoire. Et non, ça ne peut pas passer, on va se retrouver directement en caméra embarquée dans le cockpit de la Mercedes. Voilà, qui survire beaucoup à la sortie de la chicane. Dans le rétroviseur en haut, vous avez la Volvo de Martelli prête à bondir. Et on sait que le moteur en sortie de courbe est très très bon sur la Volvo. Ils sont à l'aspiration les uns des autres. Seiya qui a la pire position avant le freinage de la courbe de Tarzan. Nouveau tour couvert. On est dans le dernier tiers de cette épreuve. Il reste 9 minutes au chrono officiel. Ça ferme la porte du côté de Guigui qui est moins bien ressorti. La Volvo qui va opter pour l'extérieur. Est-ce que ça peut passer? Oh non! Et Guigui qui freine de nouveau très tard. La Volvo ne peut pas croiser. Et Francky qui est en vrac complet. Hein. Le train arrière de la BMW qui ne fait que glisser. On retourne à bord de la Volvo qui suit ce trio infernal. Et toujours Yak qui mène les opérations et tout ça. Regardez, 9 secondes maintenant d'avance pour McCain, le Belge qui va sans doute aller remporter une nouvelle épreuve après bon début de saison avec 40 points avant d'arriver ici. Allez, on vous laisse profiter un petit peu de la lutte avec Francky qui tente encore d'ouvrir la porte au chausse-pied. Ça ne passera pas. Est-ce que la voiture jaune de Guigui va en profiter pour plonger? Il y a du jaune tout plein, là, notre ami Corse, dans les rétroviseurs. Oui, Guigui qui va pourquoi pas passer. Et Francky qui, dans ce deuxième secteur, est très, très, très alerte dans ses rétroviseurs. Oh, il ouvre la porte et il part en tête à queue. Il peut la tenir, Francky, mais ça s'est joué à peu de choses. Les quatre voitures absolument ensemble, on n'a pas vu mieux. Oh là là, les changements de trajectoire qui sont très hasardeux. Ça va être chaud, freinage, ils vont arriver à 3 de front dans la chicane, c'est magnifique. Est-ce que ça peut passer? Yak qui est enfin dépassé, le contact derrière, Yak qui va se retrouver derrière. Et malheureusement, Guigui va peut-être devoir laisser passer. Non, Guigui qui poursuit et ça ramène tout le monde derrière évidemment à se battre. Ils perdent du temps ces pilotes et ça ramène tout le monde dans la même seconde. Ah là, Guigui qui va passer. Yak ne pourra pas résister à la relance, la Mercedes qui va laisser respirer son bloc. Dans la ligne droite des stands, ils passent sous notre cabine, ils sont côte à côte littéralement, la Mercedes est passée. Est-ce que ça va y aller? Le contact, hein, attention à la limite là quand même de donner le coup de porte. Et la Volvo complètement oubliée sur la partie gauche qui va peut-être faire la nique à tout le monde dans la courbe de Tarzan. Et non, ça ne passera pas. Mais Marcelli qui avait été oublié pendant quelques instants par Yak qui défendait face à un Guigui très optimiste. La Volvo ici qui n'est pas prête à lâcher non plus. Il va freiner plus tard à l'intérieur. Mais non, on va se raviser du côté de Marcelli. On va pas prendre tous les risques. Mais le classement qui bouge avec donc Francky deuxième devant Yak. Guigui
et Marzelli, c'est le top 5 de cette course et c'est pas terminé parce que derrière reviennent Veneno, reviennent Le Bras et ils vont nous offrir les 5 dernières minutes absolument démentielles ici sur la piste de Zandvoort aux Pays-Bas. On a droit à une des plus belles manches depuis le lancement de ce championnat et ce n'est pas terminé, on vous donne rendez-vous pour la suite qui aura notamment lieu sur la Nordschleife en Allemagne. Restez avec nous sur cette chaîne Twitch parce qu'il va s'en passer des choses aussi avec la Porsche Super Cup de la FFSCA et le GTE Series avant de se tourner vers les saisons 2017. Mais restez patients, on vous tiendra au courant de tout cela. Pour toutes les informations, c'est bien évidemment dans les petites tuiles présentes sous le live. On est de retour avec la caméra embarquée dans la voiture du pilote québécois qui n'en a pas fini avec Ayak qui résiste bien. Ce soir, il aura eu à défendre, peut-être le push même dans la chicane. Oh non, ça c'est... Ah non, ça c'est limite, ça c'est très limite de la part de Guigui qui ne supporte pas tout simplement la résistance. Eh oui, les appels de phare parce qu'il n'est pas content, Ayak. Guigui qui chausse peut-être pour la première fois son rôle de pilote pénalisé ce soir, mais c'est pas la première fois de la saison. Ils sont côte à côte de nouveau sous notre cabine. Ça va encore être un passage très limite là. Et là, ça semble passer pour la Mercedes. La Volvo qui va passer aussi. Va y avoir le mur, faut laisser la place, Guigui. Et c'est deux positions de gagné pour Marzelli. Non, effet d'optique. Et c'est Guigui qui reprend la troisième place. Oh, attention là, parce que là, il va pas y avoir la place pour tout le monde. Je pense qu'on va faire un arrêt cardiaque avant la fin de cette épreuve. On embarque à bord de la voiture du pilote marseillais, Veneno. Oh, et le contact et l'accident avec Veneno qui a envoyé en tête à queue Guigui. Mais je pense que c'est un souci de connexion. C'est pas la première fois. Et que c'est dommage pour Guigui qui s'est fait piéger par Veneno. Et attention, Guigui, de ne pas gêner parce qu'il y a une voiture qui passe. C'est Sosoy. Et Sosoy peut passer. Attention, il ne faut pas gêner, messieurs, vous êtes plus lent. Ah bah non, ça, ils vont repartir et se battre, tant qu'à faire, bah oui. Oh, et Veneno qui n'a peut-être pas été vu par ce seuil. Heureusement, ça s'en sort bien. Et bonsoir à tous, merci d'avoir rejoint un petit peu tard. Mais vous êtes toujours les bienvenus. Cette troisième manche du championnat du SCTC qui tient pour l'instant toutes ses promesses. On va faire une petite pause quand même, classement. Avec donc la tête pour McCain. Deuxième, Frankie qui s'est libéré de la bagarre alors que derrière, c'est pas terminé du tout. Avec, vous le voyez, Yak. S'en sort bien. Alors par contre, je ne sais pas s'il va y avoir sanction contre Veneno et Guigui. Faudra revoir ce qui s'est passé, mais ça a été très très serré. La connexion de Veneno qui, pour la première fois ce soir, pose problème. Mais pas la première fois du championnat. Alors, on va compléter ce qui semble être l'un des derniers tours de cette soirée. Probablement pas encore l'avant-dernier, mais... devant, ça bouge très fort avec Guigui qui va prendre un tour. Oh, c'est Francky, pardon, on a vrai pour cette incartade, mais c'était serré. Alors, Veneno, la BMW face à Sosoy. On joue là pour la 7ème place de cette deuxième course. Veneno, c'est très chaud. Regardez un petit peu les écarts avec la tête et des pilotes qui ont déjà pris, été pris d'un tour, hein, notamment Zoltan. Allez, on revient sur le direct avec la caméra embarquée dans la voiture de Veneno. C'est pas fini, hein. C'est pas fini pour eux. Ils sont en bagarre pour la 7ème place. Il n'y a pas la place. Il faut pas aller au-delà des limites de la piste, là. Il faut pas exagérer. Ah oui, on voit que la direction de course doit veiller au grain parce qu'il va y avoir de l'investigation. Je pense que les commissaires ne sont pas prêts d'aller se coucher. Alors... Oh, devant, ça revient pour Marzelli. Est-ce que Marzelli pourrait terminer deuxième de cette épreuve? Le pilote Volvo après une course qui a très mal débuté. Alors mettre deux roues dans l'herbe notamment. Est-ce que Francky va aller chercher cette deuxième place? Ça ferait du bien au pilote Corse qui était troisième avant l'entame des courses de ce soir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, un petit peu de calme. Ça fait du bien sur cette piste. Oh là là, Veneno derrière qui est partout. J'ai l'impression qu'on ne voit que lui ce soir. Allez, Marzelli qui reçoit les encouragements du chat, ça fait plaisir. Surtout, je vous remercie s'ils ne sont pas gentils. Et les deux dernières minutes de cette épreuve. Les deux dernières minutes, et c'est pas joué. Hein. Même pour le podium, il y a 6 dixièmes avec Marzelli qui eh bien, faisait des appels de phare au moment où on passait là. La sortie de Veneno sur Sosoy, le pilote de belge de la BMW peut-il résister au pilote français de la BMW?
Ah, Veneno, il est pas fâché, mais il s'énerve un petit peu, là. Hein. Après ce qui s'est passé avec, avec Guigui, je pense que c'est plutôt le pilote québécois qui va l'avoir mauvaise à l'issue de cette course. Oh, Veneno, là, qui remet deux roues dans l'air pour tenter de passer. Oh, si ça passe, c'est un dépassement hors circuit. Non, c'est limite, là, Veneno. C'est plus que limite, ce comportement-là, parce qu'il y a mettre les portières et tout, mais là... C'est un petit peu de trop, si vous voulez un avis un petit peu personnel. Alors, devant, revenons à la tête de course, alors qu'il reste 1 minute 15. On est peut-être dans le dernier tour. Non, on va avoir droit, je pense, à un deuxième tour après celui-ci. La voiture venue du Nord, qui va peut-être aller chercher la deuxième place. En tout cas, Francky, qui aura fait un très bon week-end hein, ce soir. Ça peut passer. On va attendre le freinage. La Volvo qui est chaude. Oh, le changement de ligne de Francky dans la descente. Est-ce que ça sera suffisant pour se protéger une dernière fois? Il reste 41 secondes, même un peu moins. Maintenant, et le dernier tour pour McKean. Oh, McKean qui ne laisse rien passer. Hein. Il est full attaque. Et va se retrouver derrière la BMW de Zoltan. La Audi, pardon, de Zoltan. Navré pour l'erreur. On va peut-être même lui prendre un tour, à moins que ce soit déjà Toto. Voilà la sortie de Francky. Que la Volvo peut faire la différence. La ligne droite. Ça a l'air d'être passé, mais on sait que la BMW freine mieux à l'intérieur. Il doit être là sur la droite normalement. Et il est passé. Oh, et ça va dans le gravier malheureusement. Et c'est la dernière chance pour le pilote Volvo de s'emparer de la place. Veneno toujours aussi énervé sur ce seuil. Au bout de la ligne droite, dans la courbe de Tarzan. Oui, ça ne passera pas cette fois-ci. Et ça s'est même écarté hors piste, là, pour ne pas gêner le leader au drapeau bleu. Merci au pilote retardé. En tout cas, victoire plus que probable de McKean avec plus de 15 secondes d'avance sur Francky et Veneno. Mais là, c'est pas encore fait. Bien au contraire. Restez avec nous, puisqu'après l'arrivée de cette épreuve, vous aurez droit à l'interview des trois premiers de cette course. Et je ne sais même pas qui on va interviewer. Parce que ça risque de mal finir. En tout cas, ils se seront donné du plaisir, les pilotes en piste. Ce soir, vous retrouverez dès demain la VOD de cette course sur la chaîne YouTube Maxou le pilote, disponible dans la description de ce flux Twitch, ainsi que bien d'autres aventures. En tout cas, Veneno, lui, n'en a pas fini non plus. Oh, avec ce seuil ? Non. J'ai cru qu'il y avait la place, là, pour passer. Alors, le dernier droit pour McKean, qui est autoritaire en... Un meilleur tour, une 43-006 qui va remporter la deuxième course de la soirée. Voilà, victoire normalement de McKean qui impose la Mercedes. Deuxième victoire pour la marque à l'étoile ce soir. Par contre, la deuxième place, c'est Veneno qui a réussi à trouver l'ouverture. Alors, on n'a pas vu si c'était legit comme dépassement, mais la Volvo qui va terminer deuxième de cette épreuve, à moins de sortir large. Non, ça va. Francky qui est 4 roues dans l'herbe, mais qui va quand même compléter le podium. Et Francky qui se sera fait shipper quelques points dans les derniers mètres. Quatrième place pour Yak. Au pied du podium, la cinquième place avec le Brass qui termine dans le top 5 juste devant Guigui. Alors que derrière, Sosoy va résister à Veneno également pour la septième place. Oui, c'est fait. Oh, il est arrivé avec l'explication. C'était chaud là. Et donc huitième place pour Veneno, la neuvième pour Philou. Qui était parti en pôle, mais qui a été attaqué de toutes parts. Jefferson Vaguisan qui termine dixième avec le point qui va avec. La onzième place pour Binamé. La dixième pour Yann, qui met une belle douzième place avec la BMW, qui est, on le rappelle, très difficile à mettre au point. La seule Opel engagée terminera 13e cette deuxième course de la soirée. Félicitations à Holden qui l'a ramené au bout pour la deuxième fois ce soir. On sait que l'allemande n'est pas la plus simple à piloter. Et c'est terminé. Et on termine comme il faut, hein, du côté du bas du tableau. Toto également sera 14e. Et la 15e place pour Zoltan. Victoire donc de la BMW M1 Procar du Safety Car. Non, je plaisante évidemment, mais la BMW M1 qui est sortie pour le coup par le pilote de la Safety Car. On va découvrir dans une vingtaine de secondes, je pense, le classement final de cette deuxième course de la soirée avant de passer aux interviews des trois premiers. McKean, Martzelli et Francky. Vous allez découvrir la ferveur de notre ami Corse, vétéran de ce championnat, qui finalement termine troisième derrière Martzelli. Et voilà donc le classement qui s'affiche sous vos yeux.
classement que l'on va récupérer de notre côté également. Voilà, c'est fait. Avec donc McCain, vainqueur devant Marcelli et Francky. Une course qui se sera déroulée sans gros encombre. Hein. Finalement, ça s'est bien passé. Et tous les pilotes qui rejoignent petit à petit les box. On ne va pas suivre la deuxième course, mais dans un instant, le podium qui sera proposé avec l'interview du top 3. On se retrouve d'ici quelques secondes. A tout de suite. Et de retour avec le podium de cette deuxième course en cabine. Bonsoir ou rebonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et la course. On se retrouve avec donc le podium de cette deuxième course. On va commencer comme à l'habitude en décomptant pour ceux qui n'étaient pas là pendant la première course. Il y en avait deux. Le troisième de cette épreuve ici. Du côté de Zandvoort, c'est donc Francky, notre ami corse, qui après avoir perdu lors des dernières des derniers mètres, hein, lors de la première course, une position ici s'est fait également shipper la deuxième place dans le dernier tour. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu cette deuxième course et aussi la première, tant qu'à faire, puisque tu avais été pris dans de nombreuses bagarres. Et ça se bastonne pas mal. J'ai un gros souci d'usure de pneus, donc j'essaie de me débrouiller un peu, mais les autres aussi, je pense. Hein. Les pneus se dégradent vite en plus sur cette. Et puis, bon, ben, je sais que la Volvo est plus rapide. Alors, comme je voulais pas me faire griller comme la première course, parce qu'après, j'ai tous les copains qui se foutent de ma gueule, j'ai dit, je vais faire une petite faute. Comme ça, ils vont croire que je le laisse passer. Et puis, c'est bon. Donc, du coup, voilà, c'était une stratégie un peu calculée avec madame et les enfants. Et voilà, sinon, ben, écoutez, une course qui s'est bien déroulée pour moi. Quelques petits accrochages à gauche, à droite. Mais dans l'ensemble, je pense que je me suis très bien amusé, j'ai transpiré, donc c'est bien. Je suis content de moi, quoi. Bah, transpirer, voilà. C'est toujours un bon signe. En tout cas, il va falloir faire des comptes, parce qu'entre la première et la deuxième course, tu as inscrit pas mal de points. Tu étais bien classé, hein. Je pense que tu étais troisième au général avant cette épreuve. C'est ça. Donc ça va bouger, avec notamment eh bien, l'abandon d'Akrapovic qui a subi une déconnexion. Il y a un petit accrochage dans le peloton, donc ça va changer d'ici quelques... Je pense que j'ai fait une bonne affaire. Eh oui, je pense que tu as fait aussi une bonne affaire. En tout cas, félicitations pour ce podium et aussi pour la course merci. De tout à l'heure. Merci à bon toi. Bon boulot. Allez, à bientôt. Bonne soirée. On passe à Marcelli qui termine deuxième. Enfin, le podium. Enfin, exactement. Voilà, podium. C'est le mot, je pense, que tu allais sortir également. Enfin, c'est exactement ça. Ça a été compliqué, une arrivée à l'arraché lors de la première épreuve, un départ compliqué dans cette deuxième course, mais finalement, eh bien, quelques points qui tombent et qui font du bien. Oui, des gros points, ouais. Bah, pour la première course, je peux remercier mon turbo, à mon avis, qui permet de passer devant Francky. Puis, bah, la deuxième course aussi, merci Francky, hein, pour la deuxième place. Ah oui, le dernier. C'est de mon mieux, été, hein. Ça a été musclé, hein, avec. Ouais, oui. Comme je t'ai percuté, excuse-moi, hein, comme je t'ai percuté, ça me fait. On va dire qu'on est quitte comme ça, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va laisser la direction de course qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot après cette épreuve parce qu'elle ne pouvait pas être là en direct, mais il y a eu eh bien, pas mal d'accrochages, de contacts. Nous n'avons pas notre ami québécois en cabine et fort heureusement parce qu'il doit bouillir aussi après ce qui s'est passé.
Veneno a aussi été plutôt bagarreur dans cette deuxième course, mais en tout cas, ça a tenu toutes ses promesses. Donc, Marcelli, félicitations pour cette deuxième place. Merci. Ça se passe bien. Pour toi, finalement, il manque peut-être un petit grain de chance pour que ça marche et que tu termines devant, mais parfois, ça se joue à très peu de choses depuis le début. Voilà, c'est ça, ouais. Des débuts de course assez difficiles, mais je reviens sur les fins de course, donc à voir la fin de saison. Tout reste possible en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore 4 courses au moins, peut-être 6, on verra ce que décidera l'organisation. Donc félicitations Marcelli pour ta deuxième place. Merci. Merci pour ton temps. Merci. On passe au vainqueur qui, je cite, « j'espère faire un podium à l'issue de la première course », qui est bondi de la 8e place, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Voilà, et qui remporte cette deuxième course avec la Mercedes 190E, McCain, le pilote belge, arrivé en tête du championnat ici et qui repart, je pense, en tête des opérations, malgré la victoire d'Akrapovic, qui, on le rappelle, a été déconnecté dans cette deuxième course. Raconte-nous comment tu as vécu cette deuxième épreuve, où là, par contre, tu as eu une deuxième partie de course, là, je peux le dire, où tu avais un écart qui grandissait au fur et à mesure des tours et qui était un peu plus facile à gérer. Du moins, je pense, c'est ce qu'on avait, nous, de l'extérieur. Ouais, c'est ça. Bah, le départ, bah, très tendu, à essayer de prendre le meilleur départ possible. J'ai eu un petit peu peur avec Veneno, parce qu'il m'a tenu quelques virages. Je me suis dit qu'il allait être difficile à passer pour finir, ça a été. Puis après, il y a eu Binamé qui sort quand j'essaie de le passer. Il y a Oli qui s'est sorti aussi quand j'essaie de le passer. Oui. J'avais un petit peu peur d'avoir touché, parce qu'on était quand même fort proche, mais je pense pas qu'il y ait eu de contact. Ensuite Yax, bah, que j'ai essayé de dépasser proprement, une fois que j'étais devant, j'ai regardé un petit peu l'écart qu'il y avait avec Guigui et Marcelli qui remontait bien, mais il y a eu le bouchon avec notre ami Corse et Yax qui a très bien tenu et qui m'a permis justement de prendre pas mal d'avance, et au bout d'un moment j'ai vu qu'il y avait suffisamment d'écart pour pouvoir gérer et qu'on ne me rattraperait pas, donc ça a été très intense les 2-3 premiers tours, mais très calme ensuite, une course de gestion, et je pensais pas faire aussi bon résultat, c'est tout bon là, pour ce week-end. Il y a effectivement la chance, la réussite, mais il y a le talent, faut pas non plus l'enlever, et c'est vrai que là... Bah, il fallait être devant et c'était pas gagné. Tu as pu sortir des embûches du premier tour avec beaucoup de chance et de talent. Et félicitations donc pour cette victoire, finalement. Quasiment une victoire à chaque round, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, la saison s'annonce bien. Donc la semaine, voilà, va falloir mettre du lest. Hein. Et bien, si on pouvait, on l'aurait instauré, effectivement. C'est une bonne remarque. On avait voulu instaurer le lest. Mais le jeu ne nous le permet pas encore, du moins, mais peut-être pour une prochaine saison. Bah écoutez, félicitations messieurs pour ce que vous nous avez montré en piste ce soir. C'était du très très beau touring car, en tout cas c'est comme nous on l'aime, et rien que pour ça on doit vous remercier. Merci pour votre temps également ce soir, et on va vous laisser bien retourner dans le pot, comme on dit sur TeamSpeak, et nous on va conclure cette diffusion. Merci et félicitations à vous trois. Merci Max. Merci Max. Bonne soirée. À la prochaine Max, au revoir. Je retrouve donc avec vous, chers viewers, pour conclure cette soirée. Merci d'avoir été très nombreux à nous suivre ce soir. On se donne rendez-vous très vite pour vivre la suite de cette saison. Un petit coup d'œil sur le calendrier, ce qu'il devrait en être. Peut-être Macao, peut-être Bathurst, mais ce qui est sûr, c'est qu'on terminera l'aventure au Nürburgring sur la Nordschleife. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et on se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures en live. D'ici là, passez une bonne soirée et un doux week-end. Demain, n'oubliez pas, Grand Prix de Monza. Salut les amis, à la prochaine. Au revoir. Too young, and I didn't understand that you were no one. I can't wait.
discover. It is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead.